Alors, bienvenue sur le Roi Soleil. Ça, c'est votre cahier, hein? Votre beau cahier avec tous les points à côté. Vous allez avoir de l'ouvrage là-dessus, hein? Quand on apprend, nous autres, ici, là. Ouais, là, pas mal. D'ailleurs, vous l'avez lu un petit peu. Oui. Puis vous avez vu qu'à la fin de ce cahier-là, une évaluation. Au-delà de 200 à 250 points placés. À vérifier. C'est-à-dire que là, moi, vous avez ici, c'est vu, puis c'est exécuté. Ça veut dire que ça a été fait, coché par le stagiaire, montré, puis assimilé. Puis après ça, autonome, là, c'est moi qui vous dis que vous avez le faire, puis il n'y a pas de problème. L'avantage de cette évaluation-là, c'est qu'elle vous montre patte blanche. Autant au point de vue des gens que vous pouvez, pour votre CV marin, tout est marqué, par exemple. Négocier les amarres, comment négocier le gros temps, l'eau, la fée, et ainsi de suite. Alors, une fois que c'est assimilé, moi, je vais vous... Une fois que c'est assimilé, moi, je les initialise à côté. Et puis, si vous n'avez pas le temps, pendant la semaine où vous allez être ici, là, si vous continuez avec une autre école ou avec d'autres, ayez votre cahier avec vous, puis il faut que vous soyez autonome. Alors, vous pouvez suivre votre évaluation, puis vous montez patte blanche aux autres. C'est très important. Quand on s'embarque, et c'est le cas de le dire, dans une aventure, le bateau à voile, le voilier, il y a toutes sortes de choses qui vont se présenter devant nous, puis il faut vraiment mettre l'effort pour être capable de bien comprendre, de bien mettre en application tout ce qu'il faut connaître pour naviguer convenablement. C'est pas quelque chose de simple. Tu ne pèses pas sur un bouton, puis tu t'en vas pas de même. Alors, d'abord, vous êtes sur un voilier. Vous allez vous rendre compte que... des voiliers, il y en a un peu partout sur le lac. Et aujourd'hui, les voiliers qu'on voit sont uniquement des sloops, c'est-à-dire une grande voile arrière et une voile avant qu'on appelle soit le foc ou le génois. Il y a d'autres sortes de voiliers. Il y a des catch, il y a des yawls, il y a des cotres, hein, des voiliers à deux mâts, des voiliers avec des grands mâts en avant, un voile arrière. Alors ça ici, ce voilier ici, là, c'est un cotre. Il y a un premier, il y a un été ici, puis il y a un deuxième été. Alors t'as deux focs et une grande voile. Hein? Deux focs, une grande voile, puis c'est pas un sloop, c'est un cotre. Okay. Il y en a de moins en moins. Les raisons probablement fondamentales, c'est que ça coûte beaucoup plus cher à griller un voilier à deux mâts, parce que tu es obligé de doubler tes haubans, toutes tes choses, puis tes étais, puis les ridoirs et tout ce qu'on connaît sur les bateaux. Alors... Puis l'avantage d'avoir deux mâts, est-ce que ça... Si, admettons, on fait fi du coût, là, de la voilure et tout ça, est-ce que ça a fait avancer le bateau plus rapidement? Pas nécessairement, mais ça a un avantage, c'est que tes mâts sont moins hauts. Et à ce moment-là, par exemple, dans certaines régions du monde, si les ponts sont à un certain nombre de pieds, là, ben, ton ketch ou ton yol va avoir un mât un peu plus court. Mais c'est un avantage. Okay. Mais on va avoir le même nombre de pieds carrés de voilure, finalement. Ça, oui, pour la longueur du bateau. Comparer. Okay. Alors, maintenant, le bateau est composé de différentes parties. Il y a d'abord la coque. Hein, la coque du bateau qui est composée sur ce sur quoi on est assis actuellement, là, c'est sur le pont du bateau. Ça, c'est le cockpit du bateau, cette partie-là où généralement est assis le capitaine ou le barreur pour naviguer son bateau. Ouais. Après ça, il y a le pont avec le passe-avant pour aller à l'avant du bateau. Et dans notre cas, nous autres, puisqu'il y a un cockpit central, on a un passe-arrière. Alors donc, tu as le pont. Quand on est en manœuvre, sur le lac, à la voile, même à moteur d'ailleurs, quand il y a de la houle, là, quand on se déplace sur le bateau, ça nous prend des bons points d'appui. Les deux pieds sur le pont, comme c'est dit dans ma publicité, puis une main sur une manœuvre. Et, ou bien deux mains sur une manœuvre, puis un pied qui se lève. Alors, par exemple, ici, regarde, tu as le passe-main là, ou la main courante, tu tiens après ça. La rambarde, c'est pas bon. C'est pas solide, ça. Non, pas tellement. Ensuite, tu as ton hauban. Oui, ça, c'est excellent. Oui. Ça, c'est très solide. Après ça, ta main courante. Par en avant ou ici. Ta main courante. Revenir ici. C'est ça. Et tu as le côté du bateau, comme on les voit sur les bateaux qui sont autour. Ben, le côté qu'on appelle le bordé, ça, c'est tout ce qui est visible du bateau. Ensuite, vous avez la carène qui est en dessous qui est immergée en dessous du bateau. Et puis, vous avez votre ligne de flottaison. La carène, c'est le ventre du bateau.
C'est ce qui est dans l'eau. Et puis, c'est là que le bateau flotte, si on veut. Il est composé, disons, du ventre du bateau, puis ensuite de la quille. La quille, sur le voilier, c'est de première importance. Hein. Il y a trois, quatre bonnes raisons là, pourquoi c'est essentiel sur un bateau. D'abord, sa profondeur fait en sorte que il y a un tiers du poids, plus ou moins, du bateau qui se situe dans la quille. Alors, quand le bateau va giter, c'est-à-dire quand il va pencher, quand il va giter, la quille va le retenir par la force d'attraction terrestre. Ça, c'est la première fonction, si on veut. Quand on est vent de côté ou auprès, le bateau gite, c'est normal. Hein? Il penche, le vent frappe les voiles, puis il s'en va. Alors, la deuxième fonction de la quille, c'est d'être l'antidérive, si on veut, être cet élément qui empêche le bateau de glisser sur le côté. Alors, en empêchant de glisser sur le côté, donc tu peux garder un cap auprès ou vent de travers. Vent arrière, c'est sûr que n'importe quoi navigue, même une boîte de carton navigue. Mais arrière, mais auprès, ça ne marche pas comme ça. La troisième fonction de la quille, c'est évidemment de garder ton cap. Ton cap, c'est ta direction soutenue. Alors, garder le cap. Pour orienter le cap, bien, vous avez l'ensemble de ce qu'on appelle le gouvernail, qui est composé de la roue, puis tout ce qui est des bébelles qui sont là, ou de la barre, quand c'est une barre à roue. Et puis dans l'eau, le safran, qui est l'aileron qui tourne autour, qui tourne puis qui permet de donner une nouvelle orientation. Mais aussitôt qu'on est orienté dans un nouveau sens, bien là, on remet le safran en position longitudinale avec la quille. Il y a des belles grandes quilles longues qui appellent des quilles classiques. C'est de toute beauté, ça a le style. Ça a l'avantage, quand tu es dans du gros temps, de tenir ton bateau sur toute la longueur de son bateau. Alors, et puis de mieux tenir la mer qu'une quille plus pointue. La quille plus pointue, ben c'est bon pour être au plus profond, pour être au près. C'est souvent beaucoup plus... Tu peux aller un petit peu plus près, un petit 2-3 degrés plus près. Alors, dans une course, là, tu vas gagner du terrain sur les autres bateaux. Tu as aussi des nouvelles inventions qui sont des quilles à ailettes que les Australiens ont. Ça, c'est pas une invention géniale. Parce que le principe, quand on s'échoue, vous allez comprendre un peu pourquoi, quand on s'échoue, la façon de se déséchouer, on penche le bateau et puis on peut passer par-dessus la bâture. Tandis que là, si tu as une quille à ailettes, tu penches le bateau, tu augmentes son tirant d'eau. C'est pas génial. C'est bon pour les gens qui naviguent en eau profonde tout le temps, mais comme marketing, là, c'est pas ce qu'il y a de plus fort. Il y a aussi des quilles qui sont... on va parler de dériveurs. J'ai parlé des bateaux, des dériveurs et des dérives là, rétractables. Et puis que tu te promènes avec ça, puis c'est ton poids qui fait empêcher le bateau de chavirer. Mais il y a des quillards qui ont aussi des quilles rétractables. Par exemple, ils vont passer de 2,5 pieds de tirant d'eau à 5 pieds en mettant une quille rétractable. Ce qui permet de... Mais c'est encore une autre histoire, ça, qu'il faut faire attention. C'est que si tu as une quille rétractable, tu as un filin d'acier. Tu as de la mécanique. La mécanique, ça brise. Tandis que ta quille fixe, elle ne changera pas. Tu as beau faire n'importe quoi. Tandis que si tu échappes, pas t'échappes, mais si tu casses ton filin de quille rétractable, il faut que tu montes ton bateau et que tu changes le filin, puis ainsi de suite. Alors, différents types de quilles. Les quilles longues, les quilles profondes. Et toujours les quilles, évidemment, c'est les trois fonctions dont on a parlé tout à l'heure. On a dit tantôt, un tiers du poids du bateau, ça veut dire qu'on ne peut jamais chavirer. Il ne peut pas tourner. À part s'il se remplit d'eau, j'imagine. Oui, s'il se remplit d'eau, c'est autre chose. Pas d'eau, il revient tout le temps. Il devrait revenir tout le temps. Maintenant, tu as besoin d'être attaché par ton bateau si tu fais un 360, parce que c'est possible. Là. Un tsunami, le bateau est garoché. Là. Okay. Alors, si tu es caché dans ton bateau, les écoutilles fermées, puis attaché avec un chapeau de cycliste, t'as des chances d'être correct, là, mais il va chavirer, mais il va retomber sur sa quille. C'est ça. Il va retomber sur sa quille. Okay. Ce sont les haubans qui tiennent le mode en haut. OK? Parce que sans ça, ces grands poteaux-là, là, quand le vent prendrait là-dedans, ça foutrait le camp. Là. Alors, il y a des haubans. Ces haubans-là, ils sont fixés au bateau. Sur le pont, puis ensuite complètement
le long de la coque jusqu'au fond de la carène sur ce qu'on appelle des cadènes. Ça, c'est tout bien fixé dans l'époxy, puis c'est très solide, puis ça tient toute la tension qu'on doit avoir ici. Alors, il y a 8 tonnes sur le bateau, puis 8 tonnes, quand le vent couche le bateau, la force, etc., il faut que ça soit excessivement fort. Alors, c'est pas tenu juste par le pont ici. Et puis, ça, les haubans, ça s'ajuste avec ici les ridoirs. Les ridoirs, c'est une sorte de bébelle pour raccourcir ou allonger. Alors, c'est pas tenu ici par le ruban vert, là, hein? C'est tenu par... Ça, le ruban vert, c'est juste parce que c'est bloqué avec une petite... Goupille, merci. Une petite goupille qui... Alors, pour pas qu'on s'égratigne dessus, on met du ruban vert. Puis pourquoi il est vert, le ruban vert? Il est à tribord. Il est à tribord, comme mes chaussettes, hein? Oui, tribord, oui. Babord. Hein? L'autre côté, le ruban sera rouge. Ensuite, c'est ajusté. Sur ce bateau-ci, le mât rentre complètement jusqu'en bas et va s'appuyer sur la quille. Je dirais que sur la majorité des bateaux d'aujourd'hui, les mâts sont appuyés sur le pont. Sur le pont. Nous autres, c'est jusqu'en bas. Le seul avantage qu'il peut y avoir, c'est quand on décide, par exemple, de descendre dans le sud puis passer sur l'Hudson, il faut enlever le mât. À ce moment-là, quand on enlève le mât, on défait au banc les têtes, tout est défait, c'est facile. Alors, à ce moment-là, la grue nous prend pendant l'enlève le mât. Tandis que l'autre, il faut que la grue soit là puis qu'on soit capable de... Mais même moment, on défait tout. Maintenant, si on regarde le mât vers le haut, vous avez une grande barre métallique chaque côté. Là. Oui. Ça s'appelle des barres de flèches. Alors, les barres de flèches qu'on a en haut permettent d'éloigner les haubans, d'éloigner les haubans pour leur donner une plus grande force. Étant donné l'angle qui se fait en haut, ça donne beaucoup plus de force pour la partie supérieure. Alors, ce sont ces haubans-là qui empêchent le bateau d'aller de l'autre côté. La barre de flèche aussi sera intéressante pour nous avec le gréement que nous avons en bord, parce que quand on sera prêt, on dira, mais la voile à peu près à 4 pouces là, de la barre de flèche pour qu'elle soit bien bordée. Tout ça. Alors, dans le gréement, on voit aussi les drisses. Vous remarquez que les drisses de tribord sont vertes. Les drisses de bâbord sont rouges, les autres, bien, ont moins rapport. Alors, des drisses, il y a des winches pour pouvoir wincher. Il y a des manivelles pour pouvoir faire marcher le winch. Et puis, alors, ça nous prend de la force hein, sur un bateau. Parce que si on n'a pas de force, on peut pas arriver à monter ça comme ça. Là. C'est pesant. Là. Alors, ça nous prend toutes sortes d'instruments. Alors, la voile, maintenant, elle est installée sur la baume. OK? Oui. La baume qui est cette manœuvre-là qui est retrouvée à l'autre bout. Puis, si vous remarquez, à l'autre bout, elle est déjà dans les airs, là, même si on n'a pas de voile montée. Là, il y a une autre manœuvre là, qui est au bout de la baume, qui est retenue. C'est un filet d'acier qui retient la baume, ce qu'on appelle une balancine. Alors, la balancine, la baume ne reste pas dans les airs par l'opération du Saint-Esprit. Là. Elle est tenue par la balancine. Bon, il y a des voiliers qui ajustent leur balancine. Moi, elle est ajustée, elle est là pour tout le temps, puis je n'y touche pas. Alors, on se rappelle ici qu'on a essayé de mettre les choses à la plus simple expression ici sur le bateau, le plus naturel possible, là, pour que ce soit le plus facile pour les gens d'apprendre à manœuvrer. Alors, donc, on a des drisses, on a une voile. La voile, maintenant, elle est endraillée là, sur la hauteur ici, comme ça, de bas jusqu'en haut. Et puis, cette voile-là, elle est placée là au printemps, parce qu'il concerne nous autres, parce que notre saison de vol, c'est l'été. Alors, on met des drisses au bout. Bien, les drisses, ça permet de hisser les voiles. Alors, je vais aller de l'autre côté. Alors, en début de saison, on installe la grand voile. Alors, il y a la baume sur laquelle on installe la voile jusqu'en arrière. Et puis...
Vous avez la voile sur la partie de la voile sur la bombe s'appelle la bordure de la voile. Ici, maintenant, on a le guindant qui est la longueur du mât, le guindant de la longueur du mât. Là, il est endraillé avec des coulisseaux ici. On rentre dedans avec des coulisseaux, on les rentre dedans, puis on les file là-dedans, puis là, c'est en permanence comme ça. Là. Quand on hisse la voile avec la drisse, bien là, elle reste compris. Alors, la voile, il y a trois parties dans une voile. Il y a la partie du guindant qui part d'ici, en bas de la voile, qu'on appelle le point d'amure. Okay. Ensuite, il y a le point de drisse, qui est le troisième qui va être rendu en haut quand on aura hissé la voile. Après ça, on aura le point d'écoute à l'arrière où, en principe, l'écoute est installée. Okay. En principe, ça dépend des bateaux, là, mais en principe, c'est là que c'est. Alors, le point d'écoute, le point d'amure, puis le point de drisse. Alors, ça, c'est la bordure. Ça, c'est le guindant jusqu'en haut. Oui. Et la dernière, facile à retenir, celle qui est en chute, c'est la chute. Ah, la chute. C'est l'hypoténuse de notre triangle. Alors, ça, c'est... Alors, maintenant, un petit coup sur la drisse, ici. Bien, la drisse, ça, c'est installé avec une poulie en haut du mât. Et puis, ici, t'as une manille. T'as une manille ici, puis il y a tous des mots, là. Faut pas s'énerver, là, des mots. Ça, ouais. J'ai indiqué qu'il y en a répète même, là. Mais il n'y a pas besoin. On juste une coupe de sang, puis c'est suffisant. Alors, t'as une manille ici, avec un manillon, tout ça, des termes, là. Manille, manillon... C'est installé là, puis tu peux ici ta voile. Il faudrait pas que je l'échappe, hein? Ça ferait ridicule là-dedans. Là. Bon, OK. Alors, t'as ta manille, et puis alors, ton manillon. Là. Chaque petite pièce sur un bateau a son nom. Alors, c'est sûr que toutes les connaître, là, il faudrait s'appeler Mérien, parce qu'il y a écrit un dictionnaire sur toutes les pièces qui existent. Là. Ça fait que. Mais pas, nous autres, on connaît pas ça. Alors, on installe ça, on peut la laisser. En permanence ou tout le temps, pendant toute la saison. Moi, ce que je fais avec ça ici, pour pas que la voile remonte à cause du vent, je l'étire un petit peu, puis je viens la mettre autour du winch. Alors, si jamais... Alors là, ça l'empêche de remonter. Alors, la drisse, ça sert à hisser les voiles. OK? Lors du mouillage, là, la nuit, on détache la manille? On peut le détacher ou non. Moi, je l'accroche comme moi je l'accroche, okay. Mais on peut la suffisant. Détacher. Okay. Alors, on hisse nos voiles. Hein? On hisse, ça hisse jusqu'en haut. Quand on est rendu assez haut, bien là, parce que comme il faut étarquer beaucoup, c'est-à-dire tendre, il faut que tu fasses le tour du winch ici. Alors, le winch, ça fonctionne comme si tu fais... D'abord, ça tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, tu t'installes ici, et là, tu winches. À un moment donné, tu n'auras pas le bras assez long, là. Alors, il faut que tu fasses... Si tu l'abandonnes, ça va se dérouler. Ça fait que tu changes ta main. Puis ton winch ici, il débarquera pas. Il va débarquer juste si tu le fais avec un cling comme ça. Et ça, c'est un winch, c'est une chose très précieuse. Il ne faut pas l'échapper à l'eau. Non, parce qu'il y a une punition extrême. Faut-tu plonger? Surtout pas. OK. Alors que ça coûte 25 ou 30 pièces, fait que ça vaut pas la peine de plonger. Alors, une fois que tu as fini de wincher puis d'étarquer ta voile bien comme il faut, bien là, on vient faire le nœud. Alors, ça, c'est un nœud permanent. Alors, tu fais ton 8, une clé, puis tu fais une deuxième clé. Là, maintenant que ton nœud est fait, tu enlèves ta manivelle, tu la remets dans le fourreau, parce qu'il ne faut pas l'échapper, j'insiste. Et après ça, on va lever notre drisse. Alors, on lève, là, ça ici, on lève à longueur de bras. Là, j'en ai pas assez long parce que la voile n'est pas montée. Là. On lève à longueur de bras. Ça ici, là, c'est une mesure de marin. C'est une brasse, censément 6 pieds. Monsieur Brasse, là, devait avoir 6 pieds. Ça fait que parce que la longueur d'un doigt à l'autre. Alors, mais là, on va les faire plus petites pour être capable de le faire comme il faut. Et là, on love avec une belle loupe de 6 pieds de Monsieur Brasse. Et là, on rentre la main en dessous. Moi, c'est ma façon à moi, là. On rentre la main en dessous ici, on le passe par-dessus, puis on le fait clencher. Comme ça. Alors, à ce moment-là, ta glaine ici, là, est toute déposée ici. Et puis, rien qui t'aime. Quand ta journée est finie, toc, t'as laisse tomber. Puis là, quand tu descends ta voile,
quand la virée va être terminée, bien, on va descendre la grand voile. Il faut toujours tenir l'écoute, la drisse, dis-je bien, la drisse dans ses mains, parce que sans ça, s'il y a grimpe, on va tuer faire le singe puis monter en haut la chercher. Alors là, quand on descend, on la tire par le guindant. Puis on laisse filer dans notre main gauche si on est droitier, bien inverse si on est gaucher. Et là, après ça, bien, on passe notre drisse autour du winch. Et puis là, on la frappe pour régler notre affaire, pour plus entendre parler. Évidemment, là, on verra tout à l'heure, là, quand on descendra, on ramasse la voile, on la plie, puis on l'enveloppe. Maintenant, l'écoute, c'est la manœuvre ou le câble, si on préfère, qui sert à border et à choquer une voile. Mais ici, dans le cas de l'écoute du génois, ça demande énormément de tension. Alors, c'est demande une force inouïe. Alors, là, ce qu'on fait, c'est qu'on doit border la voile, border-la comme il faut. À un moment donné, on n'est plus capable de border parce que la tension est trop forte. À ce moment-là, on doit multiplier ses tours. Pour multiplier ses tours, là, il ne faut pas se mettre les doigts dedans parce que ça peut être dangereux. Il faut tenir avec son pouce et puis faire le tour et grimper son pouce au fur et à mesure pour garder la tension. Le pouce avec... qu'on compresse sur le câble avec la résistance sur le winch, on a une force vraiment très suffisante pour empêcher l'écoute de glisser. Alors, il faut absolument éviter de se coincer les doigts là-dedans parce que ça pourrait être une perte de doigts. Alors, une fois que notre écoute est bien enroulée, et qu'on est rendu au bout de la tension possible, on prend la manivelle, on la met à sa place, et puis là, on borde avec la manivelle. On va dans un sens ici, le sens raide, et bon, on voit ici maintenant, là, bouge pas, on voit maintenant là, que Nicole n'a pas le bras assez long. Alors Nicole va changer sa main, OK, là, elle va continuer à wincher. Alors, la manivelle qu'elle a dans les mains, c'est un grand bout qui forme un levier, hein, le levier d'Archimède, donnez-moi un appui sur le vrai la terre. Là. Alors, elle est excessivement forte quand elle a ce levier-là. Maintenant, si elle tourne dans l'autre sens, elle est obligée de faire 9 fois plus de tours pour border autant. Alors, ce qui fait que c'est 9 fois moins forçant. Et par gros temps, je vous jure que même là, avec le levier de la manivelle, les engrenages du winch, que même rendu au bout, à un moment donné, on n'est plus capable, on passe la manœuvre à quelqu'un d'autre, parce que c'est trop puissant. Mais ça, c'est à bien retenir que les doigts dans un winch, c'est la perte des doigts automatique. Alors là, on fait notre nœud ici, qui est un nœud différent. On fait un 8 puis deux tours morts par la suite. Parce que ce n'est pas en permanence, c'est pas comme une manœuvre qu'on a attachée au taquet pour attacher l'annexe ou bien pour attacher les drisses. Là, ici, c'est complètement autre chose. Maintenant, à rappeler aussi, là, vous avez remarqué que Nicole tournait toujours dans le même sens ici. Parce que ça, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis là, j'insiste là-dessus parce que c'est drôlement fait, hein? L'esprit est drôlement fait. Ce côté-ci, ça va très bien, on le met dans le sens des aiguilles d'une montre. Aussitôt qu'on arrive l'autre bord, c'est un petit peu comme le cerveau. On est passé sur l'autre côté et puis on est porté à tourner dans le sens inverse. Alors, c'est toujours le sens des aiguilles d'une montre. Alors, ceux qui ont des montres digitales, là, c'est pas... Achetez-vous les montres à aiguilles. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Ben, la voile aussi, c'est un... Il faut s'en souvenir de ça, là. C'est un travail d'équipe. Hein? Puis équipe constamment en relation. Par exemple, tu mets à la roue, paré, tu te demandes de quitter une manœuvre. Paré! On vire!
Les voiles sont hissées, manœuvre complétée, et on se parle constamment. Il faut vraiment travailler, travailler par l'équipe. Et puis, c'est aussi... c'est aussi comme un peu un mode de vie, hein, là, à bord du bateau. Il y a beaucoup de petites choses. Petites choses, d'abord, faire attention, se protéger, toujours regarder où mettre, se mettre les pieds. Toujours porter des chaussures gommées tant que possible et de couleur blanche d'habitude, si on en trouve à nos pieds. Oui, c'est ça. Alors, et jamais nu-pieds sur un bateau. Parce que c'est le bateau. Mais là, c'est parce qu'on n'est pas en manœuvre, c'est pour ça que je gêne pas. Parce que moi, je sais que si j'ai des chaussures spéciales dans les pieds, c'est parce que avant, je m'étais promené du pied. Okay. Puis je me suis cassé un orteil, okay. Puis les séquelles, là, ça aussi. Alors, il y a toutes sortes de choses à apprendre. Il y a toutes sortes de choses aussi autour du bateau. C'est beau, la voile, apprendre à manœuvrer, mais aussi, il y a de la mécanique possible. Il y a de l'électricité possible. Tu sais, quand quelque chose fait défaut, des fois, il y a de la plomberie sur nos bateaux. Ensuite, il y a un paquet de choses. Hein. C'est... La cuisine, la gestion de la cuisine, c'est planifié à long terme. Là. Oui, et puis ménager l'électricité. Oui. L'eau. La gestion de l'électricité, la gestion de l'eau. Alors, quand on s'embarque, dans une histoire comme un voilier, on s'embarque dans quelque chose qui est très impliquant. Hein, au printemps, si tu en as pour une couple de fin de semaine, si tu évites un peu là, à préparer ton bateau hein, pour le mettre à l'eau. Puis à l'automne, un petit peu moins, là, mais hiverner le bateau. Il faut être un petit peu bricoleur. Ceux qui ne sont pas bricoleurs, ils ont des poches bien profondes dans lesquelles ils vont toujours puiser. Et puis, c'est pas nécessairement intéressant, mais c'est agréable. Préparer le bateau, c'est agréable. Tu rencontres tes copains, tu pars du temps l'été, tu ne vois pas parce que c'est ta voile. Puis, tu n'as pas le temps de te voir. Mais au printemps, ben là, tu pars chercher quelque chose à la marina, tu reviens, tu as rencontré 12 personnes, tu arrives 1h30 plus tard. L'ouvrage n'arrive pas vite. Ouais, des fois, ça va prendre trois fins de semaine pour préparer ça. Mais c'est quelque chose dans lequel il faut que vous sachiez que c'est impliquant. Impliquant au point de vue organisationnel, puis impliquant au point de vue savoir. Okay. Il faut savoir des choses. Il y a des règles à connaître, il y a des règles de priorité, puis il y a du savoir-vivre marin, ce que les Chinois appellent là, du seamanship. Là, alors, et puis c'est très important. Sur l'eau, à qui? Sur l'eau, à qui? Pas mettre sa musique à tout casser sur le bateau. Que ce soit à voile ou les moteurs, tout le même principe. Là. C'est le même principe pour tous les bateaux. Ça. Alors, ici, maintenant, on va parler des choses de sécurité. Entre autres, des gilets de sauvetage. Les gilets de sauvetage, ils doivent être à portée de la main. Il ne faut pas niaiser avec ça. Tu peux en sortir un autre, s'il vous plaît, pour la belle Janie. Alors, ce gilet de sauvetage-ci, il n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sexy, mais c'est le gilet de sauvetage parfait. Parce que, regarde, ici, là, c'est que il tient la tête en arrière, et puis il est ceinturé comme ça, ici. Comme ça, au dernier grand T, t'as plus... c'est pas vraiment les petits-enfants qu'on avait la semaine passée. Alors, celui-ci, là, il a l'avantage de tenir la tête. Alors, tu te fais frapper, tu perds ton respire ou autre chose, ta tête est tenue dans les airs. Tandis que celui-ci que j'ai, moi, ici, est un petit peu plus sexy. Mais puis, il n'est pas nécessairement plus efficace. Là. Il n'est pas nécessairement plus efficace. Alors, ça, c'est un cadeau que j'ai eu là, de toi, je pense. Oui. OK, bien, moi, le gilet de sauvetage, je le mets assez vite avec mes stagiaires parce que... Il ne faut pas qu'il t'arrive quelque chose. Bien, si je tombe à l'eau, là, quand c'est dans le début de la semaine... Ça peut être. Ils peuvent m'attraper. La semaine va être longue à l'eau parce qu'ils ne me rattraperont pas. Mais disons que moi, je mets mes gilets de sauvetage assez vite. Mais je mets mon gilet de sauvetage, ou tout le monde met son gilet de sauvetage, aussitôt qu'il y a une manœuvre à faire en avant. Si par exemple, tu vas hisser une voile par gros temps, tu as ton gilet de sauvetage. Si tu vas mettre un riz arisé, tu mets ton gilet de sauvetage parce que tu te promènes sur le bateau. C'est sûr qu'en mer, il y a autre chose que ça. Là. Il y a les harnais, puis il y a les lignes de vie avec un harnais qui est accroché après. Là. On y reviendra là-dessus. Là.
que si on a du gros temps, à un moment donné, on simulera une chose en mer. Mais le harnais, dans nos régions, sur les lacs, là, on n'utilise pas ça. Mais les gilets de sauvetage, on le met vite. Parce qu'on flotte, puis l'eau n'est pas froide, non? Puis je dis, il est récupéré. Quelqu'un qui va te récupérer. Alors, ici, il y a différents instruments pour la protection de tout le monde. Là. Ici, il y a une ligne de lancement là, qu'on peut lancer, puis qui est attachée au bateau, qui a une quinzaine de mètres de long. Alors, cette boule-là, Nicole va la lancer. Puis là, le gars s'agrippe après, puis on le tire. Bon, maintenant, c'est sûr que on peut pas toujours agir comme ça, là. Il y a autre chose aussi. Quand tu es à côté du personnage, ben c'est assez facile d'y arriver. Il y a une bouée de sauvetage ici avec une perche qui est beaucoup plus intéressante. La bouée de sauvetage, elle n'est pas attachée après le bateau, contrairement à la ligne de lancement qu'on avait. Là. Alors ça, on lance ça, et ça, la bouée de sauvetage est accrochée après la perche. Et la perche nous permet de l'identifier. Quand on échappe quelqu'un à l'eau, comme ça, ici, on va avoir quelqu'un qui va... tout le monde va avoir sa job à faire sur le bateau. Là. Il y en a un qui va pointer, par exemple, le gars est à 9h, il est à 10h, il est à 2h, il est à 6h. Il pointe constamment, c'est sa job. Le barreur qui suit les indications, puis là, on s'en va vers le personnage pour aller récupérer la bouée. Alors, parmi les choses à apprendre, c'est d'être un bon capitaine. Un bon capitaine, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Entre autres, être capable de prendre des décisions, être capable de répartir les tâches, être capable de s'occuper de son monde, puis vraiment de prendre les affaires en main. Être capable aussi d'accepter les suggestions, puis de... si à un moment donné, le capitaine fait une mauvaise manœuvre, puis que le second ou autre se met à critiquer pendant qu'on est en train de faire la manœuvre, là, ça ne marche pas. Là. Après, on en discute, là. Pas à ce moment-là. Ensuite aussi, être capable de prendre des décisions, des fois qui sont sérieuses, comme aller porter main forte à quelqu'un qui est mal pris. Mais si on va porter les mains fortes à quelqu'un qui est mal pris, d'abord, première règle à suivre, c'est de ne pas se mettre en danger soi-même parce qu'on est pris avec deux problèmes après. Ensuite aussi, de bien s'assurer de faire les choses selon les règles. Comme par exemple, si quelqu'un est échoué, tu vas voir, tu lui demandes s'il a besoin d'aide. S'il dit oui, lance-moi un câble, tu dis non, je ne te lancerai pas un câble, mon homme. Okay. Tu vas me lancer un câble. À ce moment-là, si jamais il y a un trouble qui arrive par la suite, bien, c'est toi qui demandes l'aide. Alors, les assurances ne peuvent pas venir contre toi. Si le bateau coule, par exemple, pour une raison quelconque. Mais si tu vas essayer de rescaper un bateau, première chose à faire, tu mouilles l'ancre, tu vas voir à l'intérieur s'il fait de l'eau ou autre là, avant de prendre des décisions. Alors, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se présenter. Puis, le respect et la connaissance des règles et des choses à faire sur un bateau, ce qu'on peut appeler les règles de l'art de la navigation, c'est très, très important. À notre époque moderne, ça semble un petit peu étrange qu'on parle des règles, puis qu'on parle aussi d'écouter les ordres. Si le capitaine te dit de faire quelque chose, tu le fais, là. À moins qu'il soit complètement idiot, là. Puis, mais tu sais, dans le monde d'aujourd'hui, là, je pense que c'est assez rare, ça. On négocie, on fait venir... On va voir la convention collective, etc. Mais là, c'est pas tout à fait de même que ça marche sur un bateau, là. Alors, parmi toutes les choses qu'il faut connaître aussi, il faut avoir des éléments de météo. Parce que on dépend de la météo, nous autres. C'est le vent qui nous fait avancer, puis le mauvais temps, bien, il nous fait enrager. Alors, il y a un beau gros cumulonimbus là-bas. Là. Remarque qu'il est au sud, il est au sud-est, il n'est pas tellement dangereux. Mais ça, c'est de l'annonce souvent d'un coup de vent qui va arriver. Alors, c'est souvent un gros nuage avec une grosse masse en dessous. Et puis, dans nos régions à nous, là, si le ciel en deux, entre le sud et le nord, et tout ce qui vient du côté ouest est dangereux. Quand il n'y a rien qui arrive de l'est habituellement ici, dans nos régions à nous, par exemple, dans les régions du lac Champlain ou de Montréal ou autre. Là. Alors, ça nous vient de l'ouest. Alors, ce cumulus-là, pas tellement dangereux.
et puis il s'en va à l'autre bout. C'est sûr que c'est en rapport aussi avec la chute du baromètre. Chez nous, les chutes de baromètre annoncent généralement du mauvais temps. Ça, c'est une autre pression, grosse ballon gonflée vers une basse pression. Tu ouvres la trappe, ça fait du vent entre les deux. Alors, évidemment, dans un bateau, on se tient rarement debout. Derrière la roue, ça va bien pour se tenir debout parce qu'on peut se tenir après la roue. Mais si tu veux te tenir debout dans un bateau avec la houle et tout ça, c'est que le principe, c'est que tu te gardes une jambe, un pied plus haut que l'autre, puis là, tu as un équilibre. Mais jamais, jamais debout ici à cette hauteur-là, pour différentes raisons, la bombe lors d'un empannage et ainsi de suite. Alors, l'idéal, c'est une jambe à un étage puis l'autre jambe à l'autre étage. Comme ça, tu peux jouer sur ton équilibre des deux côtés. Alors, ici, il y a ici, c'est la carte. Avant de partir, on va s'établir un plan de navigation parce que, selon les conditions atmosphériques, on peut rencontrer des changements des changements. Alors, si à un moment on a un coup dur, bien, il faut prévoir s'il y a des abris, une baie sur le long du parcours qu'on s'est tracé. On peut aller se cacher. Ou on peut aller se cacher, bien à l'abri du vent. Alors, comme vous l'avez vu sur les cartes déjà, c'est très vaste et on a beaucoup de place. Puis le lac Champlain, c'est idéal pour ça, là. C'est vraiment idéal, vraiment idéal pour ça. Alors, c'est sûr aussi qu'il faut absolument écouter notre météo. Hein. Ouais. Il y a une météo constante qui joue là, avec un petit bonhomme mécanique là, qui nous raconte les mêmes histoires à toutes les 5 minutes. Et puis qui nous dit qu'il a dû parteler Claudie ou bien dû parteler René ou bien dû parteler je ne sais pas quoi. Risk of thunderstorm, okay. Ou qui nous dit qu'il fait beau, ou une bonne idée du vent. Avant de partir, tu écoutes la météo, tu tapes le baromètre, puis tu regardes les nuages. Et puis, s'il n'y a rien à l'ouest, ben là, tu n'es pas trop craintif. Puis si le baromètre monte, c'est pas trop craintif. Mais le baromètre qui monte ou qui descend, hein, des fois, ça crée du vent fort. Parce que c'est la différence de pression barométrique qui crée le vent. Un ballon gonflé, tu ouvres la trappe entre les deux, ça fait un courant d'air. C'est ça, le vent. Alors, ici, derrière mon enrouleur, j'ai placé un étai largable. Par le gros temps, par exemple, je vais mettre un foc de route qui va me permettre d'avoir une voile beaucoup plus plate, qui travaille beaucoup mieux qu'un génois enroulé. Alors ici, je vais prendre le temps de vous expliquer comment on met comment on endraille le foc à l'étai. Dans le sens qu'il y a des petits mousquetons ici qu'on met dessus, des mousquetons. Et puis quand on va monter le foc, eh bien, on va y placer une drisse. On va hisser le foc et puis c'est beaucoup plus avantageux sur un voilier d'avoir un système d'enrouleur parce que ça fait des voiles de moins dans le bateau. Quand t'as pas d'enrouleur, t'es toujours pris en train de serrer une voile dans un espace. C'est l'espace de moins qu'on a avec nous autres. Alors ça ici, tu mets ta drisse puis là tu hisses ta voile. Tu hisses ta voile comme tu hisses toutes les voiles. Et puis à peu près avec le même principe que sortir le génois. Puis quand ta journée est finie, tu rebaisses. Ça, les bateaux avant étaient comme ça. Les génois, ça a peut-être une quarantaine d'années. Les enrouleurs, ça a peut-être 40-50 ans, là, pas plus d'histoire. Mais il y a encore beaucoup de bateaux qui sont installés avec des voiles comme celle-là. Plus particulièrement les petits bateaux. C'est les grandes poches aussi qu'on voit là, souvent là, sur le pont, là, sur le pont. En avant. Ouais. Alors, c'est ça. Moi, je l'utilise comme étai largable. J'ai mon foc qui est là en permanence sur le mur à tribord. Hein. J'ai mon foc ici qui est là en permanence. Puis là, je l'installe. Puis c'est un beau foc coupé pour le gros temps. C'est impeccable. C'est un départ. L'enveloppe de grand voile est enlevée. Elle est ensuite rangée dans le coffre.
On ferme les écoutilles de la cabine, les hublots. On ne veut pas que l'eau s'y infiltre en naviguant. Le moteur pour lui donner le temps de se réchauffer. Dénouer les amarres, ne pas les échapper à l'eau. Surtout pas à l'arrière, elle irait directement dans l'hélice. Parle avec les amarres. OK. OK, avec les amarres. Le bateau à bâbord. Là, on enlève les défenses, s'il vous plaît. Le barreur regarde tout autour de lui s'il a l'espace requis pour hisser les voiles. Pas de bateau, loin de la côte, suffisamment d'eau. Il place le bateau nez au vent. Il donne l'ordre de hisser la grand voile. Barre à hisser les voiles? Oui, pareil. On détache les garcettes, on les lève. On les met toutes ensemble, toujours au même endroit. Le barreur dénoue l'écoute de la grand voile, ce qui permet à la bombe de relever. Pareil ici. L'équipier répond et s'exécute. Pareil. Hisse. L'adresse. La frappe au taquet. Il la love, la sécurise au taquet de façon telle qu'il sera facile de la libérer quand on voudra la descendre. OK. Il n'y a pas de danger. Puis c'est facile à descendre. La petite corde de sécurité de la bobine de l'engouleur est enlevée et attachée à la rambarde. Cette corde de rien du tout empêcherait le génois de se dérouler si la drosse était accidentellement dénouée ou coupée. Alors moi, je vais préparer la drosse. Le barreur engage le voilier sur la mûre de son choix. Il donnera l'ordre de sortir ou de hisser la voile avant. L'équipière de gauche borde l'écoute du génois. Celle de droite laisse glisser la drosse lentement pour qu'elle ne se mêle pas dans la bobine, ce qui représenterait des difficultés lors de la rentrée de la voile. Elle ne doit jamais être lancée avant que
que le bateau soit engagé, car il y aurait risque d'emmerde. Imaginez le coup de fouet que recevrait un équipier en train de hisser un phoque ou un génois s'il était placé au mât. D'autre part, le génois ou le phoque hissé au moment où le bateau est vent debout devient un immense gouvernail qui a de bonnes chances de vous envoyer sur la mauvaise amure. Quand le bateau est jeté, le barreur voit mal venir un bateau derrière le génois. Il peut demander à son équipier de s'asseoir sous le vent pour surveiller. Est-ce que tu veux surveiller l'angle mort, s'il te plaît? Oui, tout est beau. Merci. Par à virer. Paré. OK. On vire. T'attends que ça plie. Important que les équipiers communiquent durant tout l'exercice. Alors, des nœuds pour sur un bateau, c'est bien important. Le principe du nœud, c'est que le nœud tienne bien et qu'il soit facile à défaire. Alors, le premier, c'est un nœud en 8, comme celui-ci. Ce nœud en 8 empêche le câble, l'écoute ou toute autre manœuvre du bateau de filer dans la poulie. On pourrait faire un nœud comme celui-ci. Il fait le même ouvrage. Mais celui-ci, quand il est serré, il n'est pas défaisable. Tandis que celui-ci, étant donné qu'il y a deux accès pour le défaire, toujours en fonction du principe, on a un nœud, il faut le défaire, faut le défaire facilement. Alors ça, c'est le nœud en 8. On met ça sur les écoutes pour empêcher les écoutes de filer. On met ça partout où il y a une poulie dans laquelle il faudrait l'empêcher de filer. Ça va? Oui. Alors, tu vas faire ton nœud en 8. Alors, oui, parfait. Alors, le nœud en 8, là, c'est pour empêcher les câbles de passer, de sauver, puis de sortir de la poulie. Alors, on rentre notre câble dedans, puis on fait le nœud en 8 après. Et puis, là, tu vois, là, elle ne peut pas sortir. Alors, le nœud de chaise, c'est... est-ce que tu sais écrire? Bien sûr. Est-ce que tu sais écrire en lettres attachées? Oui. OK. T'es capable de faire un minuscule? Oui. Oui, OK. Alors, regarde bien. Quand on veut faire un nœud de chaise, ça, c'est un autre nœud de bateau qui sert parfaitement, qui travaille très, très bien, mais qui est très facile à défaire, même si tu as des tonnes accrochées dessus, comme sur les écoutes du génois, il y a des tonnes accrochées après ça. Alors, je fais un... Quand j'égratigne mon 1, là, sur un papier, je commence par égratigner ici, à écrire ici, puis je passe par-dessus. Oui. Alors, là, je prends mon E minuscule de ma main gauche, c'est tes doigtiers. OK? Alors, là, tu vois, là, t'es pas bon parce que t'es à l'envers. Quand tu écris, faut que tu commences par égratigner. Égratigner ici. Ah, OK, je comprends. Égratigner là, hein? Alors, tu vois, là j'ai mon. Alors là, tu aurais pu t'en donner un petit peu plus long. OK.
OK. Là, tu fais sortir, le, si on veut, le serpent, là, du petit trou, là. Puis là, tu joues avec un petit peu, juste pour sentir qu'il est là. Puis tu laisses une loupe en dessous, là. Oui. Là, ça va être le nœud qui va aller accrocher quelque part. C'est bon. OK. Alors là, tu viens dans ta main ici. OK. Puis tu passes en dessous de la, de, du bout que tu veux attacher. D'accord? Puis tu retournes dans le trou d'où tu es sorti. Après ça, tu prends ton, ton index et ton pouce ici. L'index et le pouce ici. Oui. Puis tu prends le bout que tu tires, puis tu tires. Alors là, j'ai ici, là, j'ai un nœud de chaise qui est un, wow, un nœud parfait. Il peut avoir des tonnes là-dessus, sur les écoutes du génois. Là, attends, je crois qu'il y a là-dessus, c'est inouï. Là. Alors, puis quand tu veux le défaire, c'est très facile à défaire. Comme tu vois ici, là, il y a la queue tombe en dedans. Dans l'histoire de ces nœuds-là, les marins sortaient la queue en dedans, puis les gens de quai faisaient sortir la queue en dehors. Parce que quand ils apprenaient le nœud, ils étaient face à face, on les faisait le même mouvement, puis ils faisaient sortir. C'est aussi efficace. Ça, c'est bon. Ça, c'est le nœud du débardeur aussi, parce que la queue est en dehors. Toi, c'est le nœud du marin parce qu'il est à l'intérieur. Quand tu t'en vas, t'arrives au quai, t'as la loupe, t'as mis dans la bite sur le quai, puis tu es placé là, comme c'est le tien. Alors, le nœud de chaise ici, là, sur les côtes du génois, il y a une tension excessivement. Il y a des tonnes au bout de ça. Là. Alors, il faut que le nœud fasse facile à défaire. Là, le nœud qu'on a ici, là, il était tendu, la fois qu'on a fait de la voile, du gros temps. Puis regarde, ça se défait. Toc. Toc. Ça se défait comme si rien n'était. Puis ça se fait aussi vite. Puis l'avantage, c'est toujours la même affaire. Un nœud sur un bateau, il faut que ça soit défait facilement. Faut pas que ça se défasse tout seul, mais que quand tu as besoin de le défaire, que ça soit fait. Là. Alors, sur toutes nos écoutes, c'est ça qu'on met. Jenny, est-ce que tu sais tricoter? Oui. Tu es capable de monter des mailles? Oui. Tu es capable de monter des mailles, tu es capable de faire un nœud de cabestan? Ma Jeannette, elle m'a montré ça. Ouais. Ah oui. Alors, quand tu montes tes mailles, tu commences comme ça, puis tu fais disparaître. Ouais. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Alors ça fait une série de nœuds de cabestan. OK? Puis toi, tu ramasses tes mailles, mais là, l'objectif, c'est d'avoir un... Avec une baguette. Ouais. OK, ça va? Ouais. Alors ça sert à attacher surtout là, les pare-battages sur le côté du bateau. Les défenses. Les défenses, oui. Sur le côté du bateau. Alors... On va aller te montrer comment ça se fait sur la côte. Veux-tu me le faire ici? Comment t'es parti ça, là? Tu pars comme ça, puis tu passes en dessous. En dessous, puis là, tu l'oublies. En haut. Tu l'oublies. Tu passes par-dessus. Tu viens entre. Tu l'oublies. Tu fais toujours quelque chose de neuf tout le temps. OK, vas-y. OK. Je pars comme ça. Il faut que tu passes en dessous. En dessous. Si tu travailles avec ça, il faut que tu passes en dessous. En dessous. Après là, tu l'oublies. Là, tu viens chercher celui-là ici. Je fais ça. Je l'oublie. Tu fais la même chose. Je reprends mon sens tout le temps. C'est ça. Je viens entre. Je le serre un peu et je l'oublie. Habituellement, quand ils font un nœud de cabestan là, chez les marins, là, ils en font juste deux. Là. Mais moi, j'en fais plusieurs. J'en fais plusieurs parce que il est plus facile à défaire. Parce qu'il ne peut pas se serrer. C'est toujours le même principe. C'est ça. Il faut que ça se défasse, puis vite. Donc, lui, on l'utilise... Pour mettre les défenses sur le côté. Alors ici, la défense, là, il y a deux petits œils, hein, chaque bord, là, ici, pour pouvoir l'attacher comme ça sur le côté ou l'attacher de la façon que moi, je l'attache. Alors ça, moi, j'appelle ça la tétine. Quand tu arrives dans un type avec ton nœud de cabestan, tu mets ta défense, la tétine à l'eau, oui. C'est à la surface, c'est correct. Bon, alors maintenant, ici, là, je fais mon nœud de cabestan. Oui. Je fais exprès pour le faire après la chandelle, puis pas nécessairement, pas en haut de la chandelle, à la base de la chandelle ou bien à mi-chemin de la chandelle. Parce que ça, ici, là, c'est pas fort. Puis ça non plus, en haut, c'est pas fort.
Rendu au centre, c'est assez fort. Alors, tu vois, ta défense est là. Elle est passée. Alors, ça sert. J'en fais trois pour que ça soit facile à défaire. Parfait. 4, 5, 6, comme je voudrais. C'est bon. Alors, le nœud plat, c'est un nœud qui sert à deux choses principalement sur le bateau. C'est pour les garcettes pour attacher la voile quand on l'a descendu. Puis aussi pour les bosses de riz. Alors, le nœud plat, là, je prends deux couleurs dans l'objectif là, de bien comprendre que pour qu'il soit plat, il faut que tu t'accotes sur la même couleur de l'autre côté, puis tu passes l'autre dedans ici. Là, il est plat, le nœud. Tandis que si tu le fais vache, comme les nœuds vaches des cultivateurs, disons, c'est pas vrai nécessairement, là, mais... Alors, tu vois, regarde, il est vache, il ne tiendra pas. Alors, tout bout qu'on frappe sur un bateau, en permanence, il faut qu'il soit bien attaché avec un nœud de taquet. Que tu fais avec un 8, tu fais une première clé, tu fais une deuxième clé. Ça, c'est un bout qui est ramassé en permanence. Ça peut être une amarre, ça peut être l'amarre d'une drisse, oui, puis de you-you, et ainsi de suite. Ça marche? Alors, le nœud du capitaine. Alors, voici comment ça se fait. Ça, je ne le montre pas à tout le monde. Il faut avoir réussi tous les autres nœuds pour le réussir. Alors, tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, tu le rentres dans le fond ici. Puis là, tu tires dessus, comme ça ici. Et c'est le nœud du capitaine. Seul le capitaine a le droit de le faire. Autrefois, sur les bateaux, alors que les capitaines avaient le droit de vie et de mort sur leur équipage, si avec un équipier qui faisait un nœud du pendu, ouais. Le capitaine le pendait haut et court à partir de son nœud. Parce que c'était un signe de mutinerie. Ah. Alors, ici, nous autres, c'est pas ça. On a d'autres punitions, mais pas celle-là. Alors, ça, c'est le nœud du capitaine. Je te laisse filer. Alors là, on va utiliser le winch pour pouvoir prendre la drosse pour rentrer le noix. Beaucoup plus efficace. Garde ton cap. À première vue, ça a l'air d'être beaucoup plus facile quand on a un enrouleur de grand voile. On n'a qu'à sortir la grand voile et ensuite la rentrer. Ils ont intérêt à maintenir la bombe à l'horizontale, sinon il y a un risque qu'elle bloque. Surtout quand c'est le temps de la rentrée. Ils ont quelque peu pallié à ce problème en plaçant un halba à piston. Êtes-vous pas mouillé? Comme tes pieds. Mais je regarde ici une place, là. On parlait des cadennes. Je veux revenir là-dessus parce que les cadennes, et on ira les voir ensemble après tout à l'heure, là, c'est que
les haubans qui sont frappés sur le pont, ils ne tiennent pas sur le pont parce que le pont, ça ne tiendrait jamais parce que c'est trop forçant, trop demandant. Là. Tout est soutenu, là. Les mâts puis tout ça est soutenu. Alors, les cadennes, ça passe, c'est bédé dans le fond de la coque jusqu'en bas de la coque. Et puis, on ira les voir un peu plus tôt. Alors ici, tu vois, c'est un exemple d'une cadenne un petit peu différente de celle qu'on voit habituellement. Ici, elle est boulonnée après la cloison, puis la cloison est retenue par le pont. Okay. Alors, puis la cloison est retenue en bas. Sur les bateaux plus lourds, probablement, là, c'est toujours appuyé et boulonné et mis dans le fibre de verre, collé sur la carène jusqu'au fond pour l'autre chose. Je dis pas que c'est un inconvénient, c'est fait pour ce bateau ici, c'est très bien. Mais si jamais il y a de la pourriture qui s'installe ici, évidemment, ça va être moins solide que si c'était à même le fond. Merci. Alors, on parlait un petit peu les règles de l'art sur le bateau. Ça, ici, ça, on n'a pas tout à fait parler de ça suffisamment. Là. Le capitaine, c'est lui qui mène. L'équipier, c'est lui qui exécute les ordres. Et puis, l'équipier, bon, le capitaine dans le respect, tout ça dans le respect, mais je veux dire, quand il prend une décision, bien, il la prend puis il la garde. Ça, c'est bien important. OK, tribord à mue. Tribord à mue. Et ce que j'avais aimé de ce que tu avais dit là-dessus, c'est que au moment de l'action, on écoute le capitaine, puis après, on fait un retour sur... Bon, bien, j'ai pas d'accord, aimé ça. D'accord. J'aurais fait ça à la place, quoi que ce soit, mais c'est le dernier mot, c'est le capitaine qui l'a. Ouais. Je crois que j'ai oublié de vous parler de la gaffe. Oui. Mm. Alors, la gaffe, c'est pas ce que mademoiselle ici peut faire. Gaston, la gaffe, là? Non. Ça, la gaffe, sens? C'est cet instrument qui nous permet de ramasser ce qu'on échappe à l'eau, là. Alors, ça, c'est bien important. Ça sert pas autant que possible à pousser les autres bateaux parce qu'ils n'aiment pas ça quand tu mets la gaffe sur leur autre bateau. Accrocher quelque chose, ramasser quelque chose dans les chambres. L'annexe, eh bien, il faut... L'autre, elle est montée en arrière du bateau sur des bassoirs. Alors, on la fait glisser, on la glisse, on la descend. Et puis, à ce moment-là, après ça, on la décroche. Il y a des mousquetons qui la tiennent. Puis après ça, on peut remonter l'annexe. Comme ça, on ne la traîne pas en arrière, oui. Tu dis... Pour le nom de l'annexe, on dit annexe. Ah oui. En anglais, c'est dinghy. J'ai entendu d'autres expressions. Bien, moi, j'appelle ça un you-you. Un you-you. Ça, ça vient du chinois, ça. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mots étrangers dans le vocabulaire. Qui sont empruntés. Parce que les marins se promenaient de par le monde. Okay. Et à ce moment-là, ils ramassaient des... Comme ici, on est assis dans le cockpit. Oui. Ça vient de l'anglais. Et puis, c'est resté cockpit. C'est... Nous, on l'appelle aussi le cockpit. Mais en revenant à l'annexe, tu dis que toi, tu as un support pour le retenir. Sinon, c'est quoi? On fait juste le tirer. On l'accroche en arrière. Oui. Effectivement, l'annexe peut être tirée derrière un bateau. Alors ça, c'est toujours possible que ça soit si. Ça traîne un peu, mais c'est pas plus grave qu'il faut. Ça ralentit pas la course. Ouais. Ça ralentit un petit peu, mais c'est pas... On peut laisser quand même le petit moteur dessus, tout ça, là. Oui. Puis la longueur à garder... Bon, ça, c'est intéressant, ça, la longueur à garder. S'il y a du très gros temps, l'idéal, c'est de l'approcher. Il y a deux œils sur le côté. On irait vous les montrer, là. Mm-hmm. Il y a deux œils sur le côté. Et puis ces œils-là, on attache des amarres dessus, puis on les serre le plus collé possible au bateau. Et à ce moment-là, il ne peut pas chavirer. Ah, okay. Il ne peut pas chavirer. Bon, évidemment, l'annexe, ça sert à aller au bord de l'eau. Oui. Ça sert à aller chercher quelque chose qu'on peut échapper à l'eau, et ainsi de suite, et puis à se promener, à faire du tourisme. Étant donné que la quille du bateau ne nous permet pas d'aller vers la berge. C'est ça, oui. En ce qui concerne les vérifications à faire d'usage, là, hein, l'huile dans le moteur avant de partir, quand on part le moteur, qui crache de l'eau en arrière, parce que c'est le système de refroidissement là, du moteur. Alors, si l'eau ne sort pas, de toute manière, il y a une cloche qui va sonner, puis le moteur, vous éteignez le moteur aussitôt que le moteur chauffe. Il y a deux systèmes dans nos bateaux, souvent, là, un circuit fermé avec de l'antigel, puis un circuit qui est ouvert, l'eau de mer rentre, ressort, puis avec un échangeur de chaleur entre les deux, ça refroidit tout l'ensemble du moteur. Alors, autre chose à vérifier aussi, les pompes de cale, les faire fonctionner avant de partir. Tu sais qu'elles fonctionnent, savoir où elles sont. Ensuite, c'est automatique.
Ensuite, s'il y a des extincteurs, les extincteurs sur un bateau, c'est essentiel. Le feu, c'est ce qui est le plus dangereux sur un bateau. C'est très, très dangereux. Alors, il faut taper le baromètre. Il faut aussi évaluer les forces du vent. Alors, pour évaluer les forces du vent, bien, il y a toujours la météo qui nous donne un peu une idée de ce que c'est. Mais surtout quand on est dans une baie ou ailleurs, on peut regarder les autres bateaux naviguer, ceux qui sont déjà partis. Si on voit un bateau qui part, il y a deux ris, puis il y a 6-7 ours sur son enrouleur de Génois, là, tu dis, bien, il y a des chances qu'il vente fort. La météo aussi. Hein? Il faut penser à la météo. Il faut faire attention à la météo. On écoute la météo. Si on y reviendra à la météo. D'ailleurs, on en a parlé, si vous l'avez, on l'a vu cet après-midi. Quand on regarde au large, puis si on voit une horde de moutons blancs sur l'eau, là, style parade de la Saint-Jean-Baptiste, là, là tu te dis qu'ils vendent fort. Là. Là, c'est le temps de penser à réduire la voilure. Mettre un riz, réduire la voilure. En même temps, il faut être critique en regardant les autres, là, parce que les autres ne sont pas toujours un modèle non plus. Non, mais si on voit le bateau aller, là, oui, c'est ça. On voit le bateau aller. Si on voit qu'il jette encore, on se dit, bien, on ne prendra pas de chance, on peut réduire davantage. On a mis un riz à quai, n'est-ce pas? On peut mettre un riz à quai, on le fait ensemble, ça. Oui. Le riz à quai. Et puis ensuite, ça, c'est un peu mélangeant, là, parce que... Tandis que quand on arrive au large, c'est beaucoup plus facile parce qu'on place le bateau dans une position donnée et puis on voit très bien comment ça se passe. D'abord, on doit s'apercevoir, c'est la manœuvre qu'on a faite, si vous vous souvenez, juste avant, là, c'est la manœuvre qu'on avait appris qu'on pouvait naviguer uniquement sur notre Génois. Oui. Alors, si on peut naviguer uniquement sur notre Génois, et ça dans toutes les positions. Paré à Irisé! Paré! Alors, notre Génois, le bateau est placé auprès, c'est-à-dire à 45 degrés du vent. Notre grand voile, on la choque complètement. Hein? Bordé, choqué, vous vous souvenez? Là? Oui. Bordé comme un enfant, là, comme Bob. Oui. On rapproche. Choqué, c'est quand il est choqué, il décolle. Là, oui. Donc, on l'a fait s'asseyer dans le vent. On l'a fait s'asseyer dans le vent, étant drapeau. À ce moment-là, on navigue uniquement sur notre Génois. Et puis là, à ce moment-là, on peut descendre la voile. Elle est à peu près 45 degrés plus ouverte. Alors, ça peut se travailler. Alors là, notre bateau est au 45 degrés, comme auprès. La voile est tassée sur le côté. On peut donc l'abaisser jusqu'à l'œil pour faire un nouveau point d'amure. Le point d'amure étant le point en bas de la voile, au guindant. Après ça, on est toujours au mât, nous autres, dans notre position, on est toujours au mât. Là, et on va étirer notre bosse de riz. Notre bosse de riz, c'est un œil avec une corde qui file dedans, qu'on appelle une bosse de riz. Et puis, on va étarquer ça, puis ça va baisser le point d'écoute. Le point d'écoute est le point arrière de la bombe. Alors, le point d'écoute, et à ce moment-là, ça nous fait une voile qui est réduite de toute la surface qui est là. Alors, ça, c'est bien étarqué. C'est sûr que à ce moment-là, on a réduit notre voilure. Là, pas le barreur, mais l'équipier dit que la manœuvre est complétée. Qui est manœuvre complétée? Et puis, à ce moment-là, le barreur va border sa grand-voile et on va continuer à filer toujours à 45 degrés parce que notre grand-voile va être replacée. Là, maintenant, il va falloir penser à attacher les garcettes des riz, là, attacher la guenille. Oui. Sauf que... C'est pas nécessaire quand tu as juste un riz. Moi, je l'attache pas. Mais si je l'attache, par contre, je m'assure de doubler à l'arrière le point d'écoute. Parce que mes petites garcettes de riz sont attachées avec un tissu qui ne résistera pas si jamais le point d'amure lâchait, parce qu'on n'a plus rien qu'un point qui le tient. Là. C'est le point d'amure. S'il lâchait. Si toute l'attention est sur le point d'écoute à l'arrière du bateau. Là. Alors, le point d'écoute... Donc, on va le doubler, puis après ça, on va attacher nos guenilles. Mais quand on met deux riz, il faut absolument attacher les guenilles. Okay. Attacher les guenilles. Alors, à ce moment-là, on réduit la voilure. Évidemment, on va réduire aussi notre Génois. Alors, ça, c'est une superbe manœuvre, beaucoup plus facile de faire un riz au large. Maintenant, il y a des bateaux qui sont un peu grillés différemment. Il y en a qui ont des riz qui prennent à partir de gréements à l'intérieur de leur pape mobile. Ils sont tous enfermés, là. Ils ont toutes leurs affaires là-dedans. Là. Mais en gros temps,
c'est mieux de faire ça à l'abri du vent, par exemple, avant de sortir de la baie. Quand tu es un petit peu caché du vent, là, on monte la grande voile. Ah, on pourrait faire ça. C'est-à-dire, quand tu es caché du vent, mais, tu montes ta grande voile, puis tu la laisses large pour qu'elle puisse se promener, là, pour pas te faire avancer sur ton angle, puis tu es à l'abri du vent. Ça va être très bien de faire ça comme ça. Si ça peut sécuriser les gens. Oui. Si on part en gros temps, commencer à faire des manœuvres comme ça. Ah, mais je vous le montre, par exemple. Oui, parce que vous devez apprendre à faire ça. À choisir entre les deux, c'est mieux. Si on a la possibilité. Ça dépend des choix. Moi, j'aime mieux le faire au large. C'est sûr que s'ils inventent... D'abord, s'ils inventent 35 nœuds, là, je ne sors pas. Okay. 30 nœuds, je ne sors pas non plus. Puis on n'est jamais obligé de sortir. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on a tous des cellulaires, là, sauf moi. Vous appelez votre patron, vous dites, excusez-moi, je ne rentre pas demain. Là, je suis dans un gros temps, je ne laisse pas ma vie. Parce que les accidents, ça peut arriver. N'oubliez pas, quand on fait un riz, quand on fait tout ça, gilet de sauvetage. Puis en mer, attaché, là, mais on n'est pas en mer. On ne travaille pas en mer, nous autres, ici. On réduit, on perd pas de vitesse, on en perd. Ah, encore mieux, on en gagne. Okay. Parce que notre voilier, s'il gite trop, s'il penche trop, il va modérer. Okay. Il va modérer. Et puis, si... C'est inconfortable en plus. Hein? C'est inconfortable, puis il va modérer. Alors, tandis, parce qu'à un moment donné, il atteint son maximum de vitesse à une certaine gite. Okay. Alors, donc, il faut que tu réduises ta voilure pour garder... Je parle toujours des allures au près et vent de travers, de garder toujours sa gîte avec laquelle il atteint la vitesse maximale. Okay. Donc, quand on voit, par exemple, sur le fleuve, là, souvent, là, des bateaux extrêmement gîtés, ça ne veut pas dire qu'ils vont plus vite nécessairement. Non, ils ne vont pas plus vite. Ils sont mal voilés. C'est dur sur le gréement, c'est dur sur l'équipage. L'équipage, particulièrement. Ouais. Et puis, c'est absolument pas recommandé. C'est pas parce que le bateau va chavirer, c'est sûr que le poids dans la quille empêche le bateau de chavirer, là, mais c'est pas ça. C'est que le bateau va modérer. Puis non seulement ça, c'est que compte tenu de sa forme, il va automatiquement loffer et puis rentrer dans le vent. Hein? Oui. Loffer et abattre. Oui. Vous vous souvenez qu'on a vu ça? Là? Oui. Ah. Puis sur les vagues aussi, j'avais trouvé ça intéressant. Aujourd'hui, quand on naviguait, puis tu me montrer le sens des vagues, là, par rapport à... Je pouvais m'aider du sens des vagues pour trouver mon cap aussi par rapport au vent. Parce qu'il y a les penons, mais aussi il y a la vague qu'on peut regarder. Oui, la vague. C'est sûr qu'en général, la vague a à peu près le même sens que le vent, à moins d'être sur le bord d'une pointe ou quelque chose comme ça, là, où mais le vent est dévié. Fonds, quand tu alors, à ce moment-là, tu peux calculer ton 45 degrés avec la vague, autant que tes penons. Tes penons, d'ailleurs, ils ne donnent pas du 45, ils te donnent moins parce que tu as ton vent apparent. OK? Mais la vague, elle, va te donner le vent réel, parce que le vent que tu utilises, c'est pas le vent réel. Oh, c'est compliqué. Oui, alors c'est que tu fais de la bicyclette. Oui. Tu es capable d'aller 20-25 km. Facilement. Il vient d'où ton vent quand tu n'as pas de vent, que ça va 25 km Il vient d'où? OK, parce que quand j'étais en vélo, je crée mon vent moi-même, mais en plus, j'ai le vent. Non. Tu crées ton vent. Oui. Le vent que tu vas recevoir, il va venir de où? Mais c'est d'en face. Puis il va être à quelle vitesse? À la vitesse où je vais. 25 km à l'heure, OK? Bon. Nous autres, on se déplace, par exemple, à 5 nœuds. On se fabrique un vent de 5 nœuds direct d'en face. Comme à vélo. Plus le vent... Réel. Le vent réel qui arrive de billets. Alors, ton vent réel, sur l'eau, il court. C'est la direction de tes vagues, ça. Parfait. Mais ton vent avec lequel tu navigues, quand tu es au près ou au travers, c'est pas le vent réel, c'est le vent combiné de celui que tu fabriques en te déplaçant, par exemple, 5 nœuds, plus le vent de la nature qui fait que ton bateau va se déplacer à 45 degrés par rapport au vent réel, mais par rapport au vent apparent, il va y avoir un déplacement du vent apparent puisqu'il est détourné. Il y a deux vents, ils se conjuguent ensemble puis ils se détournent plus près, à peu près une trentaine de degrés. Okay. Alors, c'est pour ça qu'en réalité, quand on se déplace au près, puis dans les positions au près, en travers, c'est qu'on va beaucoup plus vite qu'on s'attendrait à aller. Parce que on a le vent qu'on se fabrique. Alors, tu vas avoir une toute petite brise de 5-6 nœuds, puis filer à 4-5 nœuds parce que tu t'en fabriques un parce que tu es en déplacement. C'est ça qui est étrange, justement, quand on l'a de face. On l'a de face, on pense, on se sert du vent de face, mais finalement, on se trouve à aller plus vite que finalement quand on l'a de dos.
Ah oui, mais c'est la même chose. L'exercice qu'on a fait au tout début à moteur, là, qui était de... Je vous ai mis face au vent, on sent beaucoup de vent. Oui. Puis, parce que je vous ai mis vent arrière, on sent plus de vent. Oui. C'est parce qu'on se sauve du vent. Oui, le vent ne nous attend plus, ne nous atteint plus, nous atteint moins. À propos, par exemple, des choses, on est un petit peu à côté de la voile. Là. Quand tu parles, il faut être du diesel dans ton moteur. Hein. Tu gardes toujours ça plein. Il faut que tu vides, il faut que tu aies des réservoirs d'eau, il faut que tu aies... Il faut que tes réservoirs de toilettes soient vraiment vidés, puis tout ça, puis le petit you-you comme accessoire. C'est important d'avoir ça. Là. Et puis aussi la gérance de l'électricité. Hein, si tu n'as pas d'électricité, ton moteur ne partira pas. Il y a tout un paquet de facteurs qu'il faut jouer. Mais en général, on estime que le bateau doit être en ordre. Alors ici, on a une carte marine. Une carte marine qui montre toutes sortes de réalités. D'abord, la réalité des profondeurs. En blanc, c'est profond. En bleu pâle, c'est passable. Et en bleu foncé, il n'y a pas d'eau. On ne peut pas naviguer convenablement parce qu'il n'y a pas d'eau. Alors, les petits chiffres qu'on voit partout, ça donne la profondeur, disons, à peu près détaillée de l'endroit où on est. Alors, donc, ça donne des réalités marines. Ensuite, ça donne aussi des réalités terrestres. Hein, par exemple, ici, on a des petites courbes de niveau ici. Okay? Alors ça nous permet de voir de loin qu'il y a une montagne ici. Alors ça nous aide à nous orienter. Ou encore ici, quand on voit le plan de la ville, on va voir des clochers, tout identifié là-dessus. Puis ici, il y a un brise-lame qui est installé. Puis à chaque bout du brise-lame, il y a des phares. Il y a des phares un peu partout, hein, sur le terrain. Puis des bouées, là. Hein. Et puis ça t'oriente. La nuit, ça clignote là, à 4 secondes ou à 3 secondes, selon la bouée qu'on donne. Oui, quand même connaître les obstacles avant, par contre. Oui, avant de partir, par exemple, planifie le voyage, on se rend, puis on planifie le voyage, puis on s'en va dans un sens qui nous permet de savoir que ben là, on va rencontrer tel obstacle, tel obstacle, tel obstacle. L'échelle ici est en pied, est en mètres, c'est ce qui est en noir et blanc, là, c'est un kilomètre. Et puis en statute mile, ça c'est les milles anglais. On ne peut pas naviguer sur un plan d'eau sans avoir une carte, c'est officiel. Ça nous permet aussi de connaître l'orientation. Si j'ai un vent sud ici, par exemple, parce que ici, la rose des vents, ça nous dit le nord est là, puis le sud est là. Okay? Alors, si j'ai un vent de sud ici, puis je viens me placer ici pour rentrer le soir, pas de problème, je suis à l'abri. Alors, je vais être tranquille. Mais je n'irai pas me mettre de côté ici si j'ai un vent de sud, parce que là, je vais rentrer toute la nuit. Alors, donc, la carte te sert à t'orienter et à savoir. Nous autres, ici, sur nos lacs, on navigue à vue. On calcule les pointes, on calcule les formes des terrains, etc. Et c'est ce qui nous permet de se rendre aux endroits où on veut aller. Les bouées sont là, etc. Mais quand porter les gilets de sauvetage, est-ce que c'est essentiel ou obligatoire par la loi de toujours avoir son gilet lorsqu'on est sur une embarcation? Non, c'était obligatoire, par exemple, ici aux États-Unis, là, les enfants de 12 ans... Et moins. Okay. Portent les gilets de sauvetage obligatoirement quand on est en navigation. Pas quand ils sont en dedans, mais quand ils sont dehors. En ce qui nous concerne, nous autres, il n'y a pas d'obligation, sauf qu'aussitôt que le vent forcit, on a intérêt à le faire. Parce que sans ça, écoute, on tombe à l'eau, là, on ne pas boum, 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 hein, puis tu flottes pas longtemps, tandis qu'un bon gilet de sauvetage qui tient la tête, là, puis que tu vas rester longtemps. L'eau est froide, tu t'en fous, etc. Dans l'annexe aussi. Oui. Non, c'est obligatoire, ça. Dans l'annexe. Alors, ensuite, mais quand tu se mets avant, t'es fort, là. Aussitôt que tu as une manœuvre à aller faire en avant, aller baisser la voile, mettre un riz, etc., obligatoirement, je laisse sauvetage. Sur les quais aussi, les enfants de 12 ans et moins. Hein? J'imagine. Ouais. Bon. Doivent le porter. Alors, on continue notre révision avant que je coche tout comme quoi vous avez vu, avant de vous donner votre attestation. Il y a au-delà de 300 points là-dedans, hein? Ça paraît pas. Là, quand même, hein? Okay. On a vu beaucoup d'informations. Bon, il y a les différentes allures. Pareil ici. Pareil. OK, ici. Une fois qu'on a hissé nos voiles, on est né au vent, on navigue pas. Les allures, ça c'est la position qu'on a par rapport au vent. Au près, ça c'est l'allure au près. Les voiles sont bordées très près du bateau, puis on est très près du vent.
Vent de travers, c'est une autre allure. Okay. Après ça, en fait, j'en ai oublié une. Près bon plein, vent travers, vent trois quarts, puis vent arrière. Là, tu es rendu vent arrière. Pourquoi tu es rendu vent arrière? C'est que ton vent, ta voile ne reçoit plus de vent parce qu'elle est cachée derrière la grande voile. Alors, à partir de passer vent travers, là, quand on est tranquillement vers le vent trois quarts, c'est des allures portantes. OK? Désolé, parce qu'on est porté par le vent. Sous le vent. Oui. Tandis qu'au près, ce sont des allures, oui, aspirantes. Okay. Parce que compte tenu de la courbe des voiles, ouais, la dynamique du vent n'est pas du tout la même selon les différentes allures. Quand on est vent arrière, le vent pousse les voiles, le bateau suit, le bateau est poussé par le vent. Quand on arrive au près, c'est tout à fait autre chose. La voile est courbée, elle a une partie concave, qui est le creux de la voile qu'on voit à partir de la position au vent, et une partie convexe de l'autre côté, c'est-à-dire sous le vent. Donc, c'est une grande courbe dans la voile. Le vent va passer, va frapper les voiles vers l'avant. Il va avoir une pression X qu'il faudra qu'il soit retrouvé à l'arrière de la voile. On aurait exactement la même pression. Mais comme le vent qui passe sous la voile a une plus grande distance à parcourir, il faudra qu'il accélère pour rejoindre la pression de celui qui arrive au vent. Alors, dans le dessous de la voile, à la partie avant de la voile, il se crée donc une dépression où cette dépression-là aspirera la voile vers l'avant. Et tout le bateau suivra. À ce moment-là, quand on est au près, on est aspiré par le vent et non poussé par le vent. Alors, l'effet cheminée, c'est que le vent qui arrive sur les voiles rencontre deux obstacles. Le génois et puis la grand voile. Hein, il fait la courbe, là, vous vous souvenez de ça, là, puis l'aspiration devant les voiles, là, puis on est aspiré. Quand on est au près, puis vent travers, on est aspiré. Bon, maintenant, il y a eu... tu te promènes en ville, il vente fort. C'est ça que j'allais dire. Tu te promènes en ville, entre les édifices. Il n'y a pas de vent. Puis quand on arrive entre les deux, tu sais, on a parlé de tout de suite. Alors, entre les deux, il y a une accélération du vent parce qu'il y a un obstacle. Ça s'engouffre rapidement là-dedans. Alors, le vent s'engouffre entre les deux voiles et va créer un déplacement des molécules plus rapidement qui va activer cette aspiration-là. Donc, l'effet cheminée, c'est la cheminée qui se déplace. Qui attire. Comme l'effet cheminée sur une cheminée, la fumée sort là, à cause de la chaleur. Alors, il se fait un engouffrement du vent. Alors, ça, c'est les différentes allures. Les voiles s'ajustent en conséquence. Il faut toujours bien ajuster nos voiles. Quand on est vent, par exemple, disons qu'on est vent de travers, c'est-à-dire avec le vent à 90 degrés, on ajuste notre génois avec nos pennons de génois, dis-je bien. Et puis après ça, on ajuste notre grand voile en conséquence. Et puis après, quand on est rendu au portant, les pennons de génois, ça ne joue plus. Louis, en temps de pluie, pour s'abriter des pluies, là, il y a beaucoup de parties. Il y a le Dodger, le Bimini, comment on appelle ça? Alors, il y a des bateaux qui sont équipés avec Bimini Dodger, qui appellent le full enclosure, complètement fermé. Alors, quand il pleut, ils se mettent des côtés, ils ont le Dodger en avant, ils ont le Bimini par-dessus, puis défaire ça, bien, les côtés, ça se défait vite, mais le reste, c'est pas évident. Alors, ils sont toujours organisés là, pour être à l'ombre et puis aussi être à l'abri de la pluie. C'est pas l'idéal. Parce que... Non, c'est ça. C'est pas un chalet ambulant là, qu'on a, nous autres, ici. Là. C'est un bateau ouvert, puis on met nos cirés, puis on met nos bottes, puis quand il pleut, on se va, puis quand on est au soleil, on se met de la crème solaire, puis un chapeau, puis on se crème, puis on se met un vêtement protecteur s'il y a lieu. Parce qu'on veut voir. Il faut voir 360, il faut voir en haut, il faut voir en bas, il faut voir partout. Quand tu arrives, là, par exemple, dans une marina, puis qu'il y a des moorings, là, des tangons, là, où les bateaux sont accrochés, ou bien encore pire, quand il n'y a pas de bateau accroché dessus, ce sont des vraies mines. Là. Alors, si tu vois tout croche, là, tu accroches, tu rentres ton corps dans l'hélice, puis
T'as des gros problèmes. Alors, on retient ça. Mais moi, j'ai trouvé vraiment le métalangage de la voile assez complexe, là. Quand on parle de loffer à battre, quand on parle d'empannage versus border le génois, parce que tu es sous le vent, OK. Alors, on va commencer par le... on va y aller avec le premier. Puis la mûre, c'est celui qui m'a donné le plus... Bon, par lequel tu veux que je commence? Parce qu'il m'en a donné quatre. On va commencer peut-être avec la mûre. La mûre, très bien. La mûre, c'est le point en bas du guindant, au roll-mât, là où la voile est accrochée. OK, la voile est sur la baume, il y a le point d'amure, le point d'écoute. Ça, c'est l'amure. Alors, l'amure, on va parler, par exemple, de changement d'amure. Alors, changement d'amure, autrefois, les bateaux, ils étaient à voile carrée. Ils prenaient, l'amure était accrochée d'un bord, puis après ça, quand ils changeaient de bord, ils attachaient l'amure à l'autre bord. Donc, ils changeaient l'amure. Nous autres, l'amure est toujours fixe. Sur le moteur avec, avec le pivot qui est là, le nom m'échappe, il va m'arriver là tout à l'heure. Et puis, à ce moment-là, mais c'est resté dans le vocabulaire. Aujourd'hui, on ne change pas d'amure. C'est le bateau qui change par rapport à l'amure. Mais si le vent vient de tribord, amure tribord, c'est parce que l'amure se trouve être plus à tribord que la voile parce que la voile est passée à bâbord. C'est bon. Elle est passée à bâbord. Mais t'as jamais changé la mûre, là, si t'as changé ta voile par rapport à ça. Ça règle la mûre. Ton autre question, c'était quoi? Mais comme choquer, border, ça, on comprend bien. Tu sais, border notre voile, oui. La choquer, la laisser. Oui, mais tu comprends ça. Mais loffer à battre. Oui, loffer à battre, c'est loffer, tu vas chercher ton vent, puis à battre, c'est s'éloigner du vent. C'est ça. Okay. Alors... C'est parce que le loft de la voile, cette partie-là que je vous ai bien montrée, le loft là, qui est la partie juste avant le guindant, là, qui retrousse vers le mât. Alors, pour s'en souvenir, là, c'est assez facile. C'est que c'est ton loft, il retrousse vers le mât. Ton loft, il retrousse vers l'étai. La voile retrousse vers les têtes de bas en haut. Donc, alors, c'est la courbe. C'est la courbe. Alors, à partir de cette courbe-là, on va dire le loff qui courbe, mais on va dire loffer, c'est-à-dire suivre cette courbe-là, okay. Aller vers le vent. Puis là, alors, donc, tu suis la courbe de la voile et là, ta voile va se mettre à faciller. Et là tu as trop loffé, il faut que tu abattes un petit peu. Puis abattre, bien, c'est opposé de loffer, puis peut-être parce qu'on est aux États-Unis, là, puis abattre, c'est bang-bang. Tu sais, alors, c'est juste pour se souvenir, une formule idiote, là, tu sais, pour s'en souvenir. Est-ce que c'est clair, ça? Oui, c'est bon. OK, on y va. Louvoyage. Ah, louvoyer, bien ça, c'est... Ça vient du terme, du mot latin, loupa, ou quelque chose comme ça, là. Qui, alors, c'est aborder quelque chose à la manière d'un loup. Un loup, il va arriver sous le vent par rapport à sa proie, okay. Pour pas être senti, puis il va marcher à angle, comme ça, okay. Vers sa proie, pour pas que la proie le sente. Ou qu'elle ne sache pas d'où il arrive aussi. En même temps, mais parce que l'odeur, ça ne se répandra pas de la même façon. Le vent est dans le... Alors, pas d'odeur parce qu'il est dans le bon sens du vent. Alors, il va atteindre sa proie. C'est pour ça qu'on a appelé ça louvoyer. Alors, c'est qu'on attaque le vent à 45 degrés. Après ça, on fait un virement de bord. Alors, on se trouve à faire des grands triangles. Alors, on se trouve à naviguer sur l'hypoténuse d'un grand triangle. Okay. Vers notre objectif. Quand on le voit, notre cap, c'est pas un cap réel. Notre cap, il est en haut, on n'est pas capable de l'atteindre parce qu'on peut attaquer seulement à 45 degrés. Alors, on atteint notre cap en louvoyant, en s'approchant à chaque... sur notre hypoténuse, en se rapprochant dans un sens et dans un autre, vers le vent. Okay. Louvoyer, c'est long. Louvoyer, pour moi, c'était clair que c'était comme ça, mais en voile, est-ce que c'est nécessairement sous le vent? Sous le vent. Bien, c'est parce qu'on est... Il faut aller où est le vent. On ne peut pas y aller. Alors, pour y aller, il faut louvoyer à 45 degrés. Mais on peut louvoyer face au vent. Bien, c'est ça, face au vent, à 45 degrés. Tu ne peux pas rentrer en dedans de 45 degrés. Okay. C'est pas possible. Bon, alors là, il y a des termes là, qu'il faut bien, bien connaître. Je vais être sûr que tu comprennes. Là. Sous le vent, puis au vent. Ça, sur le bateau. Là. Quand le bateau gîte... Sur bâbord. La partie bâbord du bateau est sous le vent. La voile qui fait une partie
convexe, là. Ça, c'est sous le vent. Et puis quand, quand tu côté tribord, parce qu'on est sur une armure tribord ou une bordée de tribord, c'est la partie concave. Ça, c'est au vent. Okay. Alors, quand tu l'offres, tu t'en vas au vent. Oui. Puis quand tu abats, tu t'en vas vers sous le vent. Mais ton bateau est sous le vent. Si tu as un bateau qui est derrière nous autres, là, qui est caché, lui, il est sous le vent par rapport à nous. OK? Il est sous le vent, nous autres, on est au vent. Et dans les règles de priorité, ça, on en a parlé, il y avait un bateau là, qui passait à un moment donné. Nous autres, on était au vent, lui était sous le vent, il était d'ailleurs un petit peu plus près au vent que nous autres. Il avait priorité sur nous, puis il a fallu lui donner le... il a fallu lui céder le passage. Alors, le bateau sous le vent, par exemple, a le droit de passage parce qu'il est en état d'infériorité. Les principes là-dedans, dans toute la gérance des droits de priorité, celui qui est en état d'infériorité, il a le droit de passage. Alors, lui, il est sous le vent, tu lui caches le vent, il est en position faible. Il est... C'est ça, infériorité, oui, c'est ça. Infériorité. Ah, merci, il est en infériorité. Alors, c'est donc moi qui dois céder et m'enlever de là. Tribord à mur, au presserré, roi des mers. Tu as toute priorité. Mais, par contre, tu as l'intelligence de t'enlever de là quand le coco, là, l'autre bord, ne le sait pas. Puis le coco, l'autre bord, là, qui attend en dernière minute, juste pour t'écœurer, toi, tu t'enlèves, lui, il s'enlève à ce moment-là, fait des maudits beaux accidents. Puis c'est sérieux de la voile, c'est dangereux. Il arrive des accidents, il arrive des dommages au bateau, ça, c'est pas trop grave, mais il arrive des dommages aux gens. Alors, comme autre priorité aussi, quand un bateau s'en vient vent arrière, puis qu'il est beau être sur bâbord à mur, puis tout est tribord à mur, puis qu'il y a un spinnaker de montée, là, tu l'écœures pas, là. Tu l'écœures pas. Puis de toute façon, tu dois toujours garder ton bateau en contrôle et puis garder la sécurité. Sauve ta peau. Alors, le principe, ça, là, à la base, le moins manœuvrant a priorité. Manœuvrant, ça, c'est celui qui a plus de difficultés. Hein? Quand le bateau... Autrefois, là, les bateaux auprès, ils naviguaient mal. C'est pour ça qu'on leur a donné la priorité. Maintenant, c'est l'inverse, mais c'est resté comme ça, c'est la tradition. Comme toujours, comme manœuvrant, par exemple, le bateau qui est en train de monter ses voiles ou de descendre ses voiles... En manœuvre, il a priorité sur celui qui est n'importe quoi. Ou bien celui qui est arrêté à la mise à cap, c'est lui qui a priorité. Alors, dans les cas de priorité, là, par exemple, si tu vois un gars qui s'en vient sur bâbord à mur, tu as ta corne de brume toujours à portée de la main sur un bateau. Hein. Alors ça, tu lui dis là, 5 coups, là, c'est-à-dire, mon homme, là, t'as pas d'affaire là. T'as pas d'affaire là. Ou tu choisis comme de t'enlever. Oui, mais je pense que quelque part, à un moment donné, il faut que ça rentre, un coup de corne de brume. Oui. La position vent arrière. Ça, c'est ce qui apparaît le plus simple. Tout le monde est là sur le bateau à se laisser aller. C'est la position la plus dangereuse, la plus embêtante. D'abord, on ne sent pas le vent. On se sauve devant le vent, parce que le vent nous vient dans le dos. Alors, on est déjà à une vitesse de 5 nœuds, par exemple. Donc, le vent a 5 nœuds de moins. Puis par opposition à être au près, il y a un autre 5 nœuds qui perd parce qu'on s'en fabrique un autre. Alors, il y a une différence de 10 nœuds de vent entre le vent arrière et le vent au près. Alors, les gens ont l'illusion là, qu'on n'a pas de vent. Alors là, toi, tu es en dessous de la bombe. La partie de la voile qui est en dessous de la bombe, là, c'est la bordure. OK? Là, on va vouloir arrondir la bordure de la voile, ici. L'objectif de ça... Danick, c'est bien de permettre au vent de s'échapper. Quand on est vent arrière, la dynamique est complètement différente. Tu as ici un vent qui rentre dans la voile et puis qui descend en dessous, par en dessous de la voile. Alors, pour qu'il sorte mieux, on va ouvrir la bordure de la voile. Alors, tu dénoues la manœuvre, là. Tu la défais. On tire dessus pour l'ouvrir. OK, à ce moment-là, ton vent s'échappe un peu plus. Tu peux la refrapper.
Est-ce que tu sens la fraîche? Ah oui! On sent bien le vent, hein? Ensuite, le vent arrière. Évidemment, le risque, c'est l'empannage accidentel. Alors, l'empannage accidentel, vous vous souvenez, là, on navigue aux trois quarts, puis on fait l'exercice trois quarts arrière. D'abord, le premier indice, c'est le foc qui tombe, hein? Vous vous souvenez? Foc qui tombe. Oui. Ensuite, il y a les bruits, puis il y a tout, là, on peut pas... vous vous souvenez tout ça, là, on n'est pas pour revenir, pas pour recommencer à faire ce qu'on a fait là-bas au complet, là, OK? Pas du tout. Quand on est vent arrière, on ne passe jamais au vent. On passe sous le vent, sous la bombe pour venir en arrière. Comme ça, s'il y a un empannage, on ne peut pas recevoir la bombe sur la tête. Vous le savez, vous le connaissez. Alors, l'empannage, maintenant. Un empannage, c'est une belle manœuvre, et ça, par toutes les conditions de vent. Pareil à l'empannage? Pareil. Attendez, attends, on attend. OK, en panne. En panne! On la grand voile. Mais, alors, le principe est le suivant. Ton bateau, au moment où il part de trois quarts à trois quarts, hein, 45 degrés d'un bord, 45 degrés de l'autre, quand tu passes vent arrière, il faut que ta grand voile soit bordée et tenue au centre du bateau pour que la voile fasse pop, pop. Tu te souviens? Vous vous souvenez? On a gardé la grand voile à peu près deux minutes dans le centre. Puis on voyait, on sentait le vent couler chaque côté. Donc, il ne créait pas de problème. Alors, là, puis là, tu la laisses, là, tu tournes, puis tu la laisses filer. Une fois qu'elle a flippé, qu'elle passe sur le bord, là, tu la laisses filer rapidement. Le génois, par exemple, là, important quand on fait le... Vous vous souvenez de ça? Important quand on fait le génois, de bien retenir l'écoute de départ, c'est-à-dire sur la mur où nous étions avant de partir, de bien retenir l'écoute et de border l'autre à l'opposé pour pas que le génois passe devant. Souvenez-vous de ça? Oui. Ça, c'est important. C'est un paquet d'emmerdes, ça, quand il arrive sur le... Alors, en ciseaux, moi, je vous le montre pas au début. Parce que je veux pas vous placer en ciseaux. Je veux vous habituer à vous autres connaître quand est-ce qu'on est rendu vent arrière pour éviter les empannages accidentels. En vacances, empannage accidentel, quand il vente fort, ça peut être un démontage. Tu sais, la bombe part de là, parce qu'on va l'autre bord, elle fait 160 degrés d'un coup sec, clac! Quand t'entends-tu parler des bateaux démontés, là, c'est qu'elle fait un empannage. Alors, je vous le montre pas. Le principe, c'est suivant. Tu écartes ton génois avec ton tangon, tu frappes ton écoute, puis l'autre côté, tu as une retenue de bombe, puis là, tu gardes ton cap. Là, dans l'empannage contrôlé, il est important que l'équipier ou le barreur, hein, tout le monde peut, le barreur peut tout faire, là, lui. Il est important que l'équipier borde très rapidement son écoute et que le barreur, lui, surveille le moment où il va arriver vent arrière pour que la bombe soit en bonne position. Puis là, ploc! Et puis celui qui était, s'il y a quelqu'un autre que le capitaine, que le barreur à l'écoute, le laisse filer, le fait filer rapidement. L'empannage par gros temps. On dit, on marque influence du génois. Oui. Bon, ça c'est une manœuvre que j'ai acquise avec mes stagiaires pour choses comme ça. Garde ton cap. Vous vous souvenez, quand notre génois est trop bordé, il fait un contrevent dans la grand voile. Hein? Puis tu es obligé de choquer, ton génois pour que ta grand voile, pour qu'il y ait le courant d'air là, entre les deux affaires. Alors, tu te mets ton bateau vent trois quarts, il vente très fort, tu bordes ton génois à plat, puis là, à ce moment-là, pour rentrer ta grand voile, c'est pas forcément du tout, parce qu'il n'y a plus de vent dedans. Il n'y a plus de vent dedans. Alors ça, j'ai pas vu personne faire ça, là, moi. Sauf nous autres, ici, mes stagiaires à qui je montre de le faire. OK, c'est bon. Alors, les ajustements de voile, là, c'est que d'abord, là, quand t'es au près puis de travers, là, l'idéal, c'est de... Puis même aux trois quarts, là, t'ajustes d'abord ton génois, puis après ça, t'ajustes ta grand voile en conséquence. Regarde ta direction. Maintenant, tambour.
OK. Tu... Encore. Choc encore. Tes voiles doivent être parallèles pour que le vent circule bien. Il ne faut pas que le vent rebondisse sur le génois qui est trop bordé. À partir, puis il va frapper le génois qui est trop bordé, puis il va rebondir dans la grand voile, puis il va l'empêcher d'être efficace, il va faire un contrevent dedans. Puis les pennons, c'est l'indice de ta direction. C'est l'indice de ta direction. Si les pennons sont bien ajustés, justement. C'est bien ajusté, puis ouais. Les pennons du génois. Oui. Alors, après ça, tu ajustes ta grand voile, puis tu ajustes ton génois avec ses pennons, puis tu ajustes ta grand voile par derrière. Donc, l'ajustement de la bordure. Bien, la bordure, c'est la partie de la voile de notre triangle qui est la base de notre triangle. Alors, ça, c'est la bordure. Okay. Alors, certains bateaux ne sont pas... Les voiles ne sont pas endraillées. Oui, c'est ça. Endraillées dans le... dans la paume. Mais à ce moment-là, tu peux, avec... T'as un bout, là, puis tu peux ouvrir. Par petit temps, tu vas l'ouvrir pour avoir le voile un peu plus arrondi. OK. Et puis, par gros temps, bien, tu vas l'étarquer pour avoir une voile un peu plus plate. Alors, c'est l'ajustement de... Alors, maintenant, tu as aussi l'ajustement du guindant. Oui. Le guindant qui est la partie qui va du point d'amure au point de drisse. Quand tu montes ta voile, tu montes ta voile, mais des fois, ça s'étire. Alors, en bas, t'as un bout, une manœuvre, là, qui est là, que tu étarques pour pas qu'il y ait des phénomènes de plis, là, des bords avalés, si on veut, de la grand voile. Pour que ta voile soit bien ronde. Ensuite, même chose dans un air de chute. Dans un air de chute, si ta voile dans la chute, qui est la partie arrière du triangle, de l'hypoténuse, alors t'as un air de chute qui permet le flacotement. Ce n'est pas du fassaillement. C'est un flacotement, puis ça fait de la turbulence, puis ça réduit ta vitesse. C'est bon. Okay. Dans les termes techniques aussi qu'on a vus, c'est il y a l'abatté et là, le fait. Oui. Donc. Je pense que dans le mot, vous pouvez trouver la chose. Oui, abattre, c'est s'éloigner du vent. Oui, l'offé, c'est... Alors, c'est que quand c'est le nom, abatté, c'est que c'est fait accidentellement. Ton bateau va abattre accidentellement ou il va l'offé accidentellement. Alors, ce qui est le plus dangereux, là, c'est l'eau l'offé. Imagine-toi deux bateaux qui s'en viennent vent de travers. Vent de travers, vous savez ce que c'est. Hein? T'as 90 degrés avant d'arriver à zéro, là. Hein, t'es 90 degrés. Puis un autre bateau qui est ici, en dessous, là, puis qui a la même âme que toi. Il arrive un coup de vent. Les bateaux gîtent. Le bateau gîte, automatiquement, il rentre dans le vent. Alors, le bateau qui est en dessous, s'il rentre dans le vent, puis il fait une eau loffée, il va te foncer dedans. Hein? Parce qu'il est capable de le contrôler. Alors, pour le contrôler, l'abatter, l'eau loffée, tu dois... choquer ta grand voile. Regarde bien, on se souvient que le mât, c'est un pivot. Les forces qui s'exercent à l'arrière tassent le derrière du bateau. Les forces qui s'exercent sur le foc tassent le nez du bateau. Alors, à ce moment-là, tout de suite, tu choques ton écoute de grand voile et ton foc va t'empêcher de remonter au vent accidentellement puis rentrer dans le bateau qui est là. Alors, quand tu doubles un bateau puis qu'il vente fort, tu te méfies de son eau loffée. L'abatté, c'est juste quand il vente moins, le bateau, il s'enfuit. C'est juste grave quand il y a un final ou quelque chose. Là. Mais l'eau loffée, ça peut être très dangereux parce que le vent brusque, le bateau, bang, il rentre dans le vent. Puis le terme générique pour tout ça, ça s'appelle une embardée. Okay. Faire une embardée, c'est vers l'eau loffée ou vers l'abatté. Le truc, là, c'est strictement de partir d'un mouillage à la voile. On a monté la grand voile. La baume a été relâchée complètement pour pas qu'on puisse avancer. Là, le truc, ça va être de border la grand voile parce qu'on n'aura pas de moteur pour avancer, là, pour permettre à l'équipier en avant de monter l'ancre.
Là, je peux-tu la tenir pour, je sais pas, m'éviter les blessures, tout ça, là? Non, tu ne tiens pas, tu tiens la tête en bas. Parce que si tu tiens ta voile, là, ton bateau va avancer, oh, puis tu n'es pas prêt. Okay. Parce que tu n'es pas à l'ancre en avant. C'est bon. L'équipier en avant va monter l'ancre pour essayer d'aider à amener le bateau sur l'ancre. Mais c'est la voile qui va faire la job. Mais s'il y a besoin, l'équipier prendra un guindeau. Nous autres, c'est un guindeau mécanique, là, ça va être à bras. Ceux qui ont des bateaux et des guindeaux électriques, bien, ils peuvent servir du courant. Quand tu hisses avec tes bras, là, quand tu relèves l'ancre avec tes bras, là, force avec ton corps, tes jambes, mais pas avec ton dos. OK, ça va. Puis même si tu peux t'asseoir aussi pour le faire, si c'est trop forçant. Denis, si tu sens que le bateau avance lentement et que ta chaîne est tendue, modère le tir sur la chaîne, ton bateau par inertie va se rendre, va continuer à avancer, ça va être plus facile. Alors, Nicole va être avec vous autres, parce que ça, c'est une manœuvre pour vous aider, par exemple, au niveau de la voile, là, pour la border convenablement. Ensuite, quand il sera rendu au-dessus de l'ancre, eh bien, l'ancre va décrocher. Quand le bateau va être au-dessus de l'ancre, il va décrocher automatiquement. OK, l'ancre est sortie. Oui, m'a monté. Et là, le bateau va s'engager. Alors, pour nous permettre de tourner du bon bord, on va sortir partiellement le génois et le mettre à compte pour servir de grand gouvernail qui va nous faire tourner du côté où l'on veut, c'est-à-dire du côté opposé où on l'aura bordé, parce qu'on va le mettre à compte. Est-ce que la manœuvre est bien comprise? Oui. C'est clair, barreur? Oui. Alors, c'est monter au vent, lever l'ancre, puis quand, selon l'orientation que le bateau va prendre, on va s'aider du foc pour faire tourner plus rapidement. Idéal pour faire une manœuvre comme ça, c'est quand il n'y a pas de bateau autour. S'il y en a, ça se fait pareil. Sauf dans les moorings, là, à un moment donné, il y en a beaucoup de moorings. Hein. Donc, quand tu pars à la voile, il faut faire attention. Ah, ben oui, hein. C'est pars à la voile, là, c'est ça. Quand, partir à la voile dans une mine de bateau, là, tu ne fais pas. À moins d'être bien, bien obligé. Okay. Maintenant, nous allons mouiller à voile. Okay. Alors, première chose à faire, c'est de rentrer le génois. Le mettre au vent? Non, non. Ensuite, mettre le bateau avant, hein, le bateau né au vent. Ensuite, au moment où il est arrêté, on affale la grand voile, puis là, on mouille l'ancre quand le bateau est complètement immobile. Excellent. Affalé! La mise à cap est bien douce au cœur du capitaine. C'est-à-dire qu'il s'agit, avec les voiles montées, d'immobiliser le bateau, et le bateau devient complètement immobile et on peut profiter, ou à peu près, et on peut profiter des autres plaisirs de la voile. La bouffe, et votre imagination, je vous laisse ça à vous deux. Là. Et puis, le truc, c'est de, avec les voiles bordées auprès, tu changes d'amure, tu touches pas à tes voiles. Alors, ton foc va aller à contre en avant. Oui. Le nez va se tasser. Alors, là, tu tournes ta roue pour rentrer dans le vent. Ta roue, ton safran va être placé de façon telle à ce que le bateau cherche à rentrer dans le vent. Okay. Ta grand voile va essayer de monter le bateau dans le vent, puis ton foc va t'écarter.
ou ton génois va t'écarter. À ce moment-là, ton bateau, il est là. Il est ce qu'on appelle sous cap. Okay. Alors, le vent n'entre pas, et puis tu peux garder ta position-là lentement, prendre, par exemple, au lieu d'aller mouiller, à l'heure du dîner, tu veux manger, tu mets ton bateau à la cape, le bateau, il ballotte pas, il est très stable, et puis au bout d'une heure, ben, tu as perdu peut-être un quart de mille, c'est tout, là, pas plus. Ça dépend des bateaux. Il y a des meilleurs capes que d'autres. Okay. Pour sortir de la cape, vous allez choquer un tout petit peu la grand voile. Maintenant. Encore un peu plus. OK. Ensuite, vous allez passer le génois à l'autre côté. Donc, l'angle de collision, Louis, là, tu me disais, c'est lorsque je vois un bateau au loin, puis lorsque mon angle ne change pas. C'est-à-dire, si ça ne change pas, puis je continue comme ça, là, ça veut dire que là, il y a un risque de collision. C'est ça, que tu traces une droite devant ton bateau, puis une droite vers ce bateau-là. Alors, tu as un angle d'ouverture. Si l'angle d'ouverture reste, c'est l'angle dedans. Okay. Alors, il faut faire attention, parce que quand avec nos grands génois, il faut s'asseoir quelqu'un sous le vent, pour surveiller cet angle de collision-là, parce que sur un lac comme celui-ci, là, des bateaux, des fois, il y en a quelques-uns. Puis il faut surveiller nos arrières. Il y a aussi le fait de trouver un mouillage alternatif. On s'installe dans une baie, on annonce des vents venant du sud. Pendant la nuit, ils tournent au nord. Bien, il faut savoir quoi faire parce que la nuit, quand on est dans un mouillage exposé au vent, bien, il y a énormément de vagues, c'est très inconfortable, c'est dangereux de chasser. Donc, il faut trouver un plan B, finalement. Oui, c'est ça. Tu dois d'abord, la veille, faire ton plan B, savoir exactement ce que si... Par exemple, si tu es un vent du nord, tu peux avoir un fetch sur l'espace au sud, tu t'en fous, là. Oui. Mais si le vent vire de bord pendant la nuit, puis tu as un fetch de 10-15 000, l'autre banc, tu vas être un peu malheureux. Alors, tu dois le faire d'avance. Et puis, si c'est dans une zone inconnue, tu peux poser tes points GPS, par exemple, sur ton petit GPS, ou encore ceux qui ont des GPS avec des gros cadrans là, qui naviguent en regardant sur leur écran, eh bien, ils n'ont rien qu'à suivre le petit bateau là, pour s'en aller dans l'autre baie. Important. Les feux? La nuit. Indiquer qu'on est bien ancré pour la nuit avec notre feu de mât. Ça prend une lumière pour le mât. Absolument. Une lumière blanche, visible 360 degrés. Pas une lumière clignotante, mais une lumière fixe. Toujours la lumière au mât. Au mât ou à la hauteur de la vision du personnage. C'est bon. Puis parce qu'il y a des gens qui naviguent la nuit. Il y a pas beaucoup de monde qui navigue la nuit, mais il y en a. Et puis ces gens-là, quand ils rentrent dans une baie noire, là, il ne faut pas qu'il y ait des cocos. Là. Moi, quand je rentre la nuit, puis j'ai mon spotlight, puis qu'il n'y a pas de lumière. Je flash les bateaux. Dans les villes, il y a de la lumière. Tu sais, ouvrez la côte, je saute dehors, je te demande ce qui se passe. Lumière de mouillage, obligatoire. Alors, quand tu vas changer pour ton mouillage alternatif en pleine nuit, parce que ça balotte, tu n'as pas le goût de rester là, important, tu allumes tes feux de position, ton rouge, ton vert, puis tu as déjà ton 360 blanc visible parce que tu es en moteur. Okay. Et puis là, tu peux changer de place, puis tu éteindras tes feux de navigation, tu garderas juste ton blanc. À la voile, là, en naviguant, on doit avoir rouge et vert vu d'en avant et blanc vu d'en arrière. Pas de blanc 360 quand tu es à la voile. C'est ce qui distingue un bateau qui est à la voile. Parce que c'est lui qui aurait priorité. Ah, c'est bon. Bien, ça. Puis dans les mouillages, tu es mal pris. Si tu t'es embossé, c'est-à-dire attaché à un arbre en arrière, puis tu dois changer de place. Oui. Parce qu'embossé, il n'y a pas de place. Alors, les bateaux se mettent en rangée, ils se mettent leur ancre en avant, puis ils s'accrochent après un arbre. Bien, quand tu t'accroches après un arbre, là, c'est pas nécessairement recommandé là, pour l'arbre, là, c'est que tu dois passer ton câble à l'arbre et revenir pour être capable de le laisser partir. Sans ça. Mais c'est sûr que quand tu n'as pas de place, tu vas rentrer 25 bateaux dans une petite baie, tu es obligé de te mettre à la cape. Mais
C'est dur sur les arbres. Embossé. Oui, la cape, embossé. Heureusement que vous êtes là. Le VHF, on l'a utilisé, là, mais y a-t-il des précisions à faire avec ça? Exemple, y a-t-il des postes, des numéros de poste qu'on doit vraiment... là? Bon, d'abord, tu peux te mettre sur le 16, qui est le poste d'urgence. OK. Si t'as un problème, t'appelles sur le 16. Je parle du lac Champlain ici. Oh, il y a des milliers de bateaux ici. Là. Ouais. Alors, d'un commun accord, les gens, pour le poste d'appel, la majorité des gens sont sur le 09. Parfait. Pour éviter de prendre le 16, qui est celui-là d'appel en général, okay, pour la sécurité. Alors ça, c'est une entente qui s'est faite ici, des milliers de bateaux aussi. Puis un coup, j'ai communiqué avec ma personne, je choisis un autre poste pour vraiment être... C'est ça. Tu dis la marotte, pas la marotte, mais à quoi bas, à quoi bas, à quoi bas. Alors, à quoi bas répond, tu dis à quoi bas passe au 11 ou un autre poste. OK, c'est bon. Quand on est sur un autre plan d'eau, comment on fait pour connaître les postes? Bon, on fait juste écouter dans le fond. Vous allez sur le 16. Puis, sur les autres plans d'eau, vous allez sur le 16. Okay. Le 16, ça, c'est universel dans le monde. Ah oui? Ouais. Okay. Mais ici, les gens s'appellent pour n'importe quoi. Pour les vacances. Ouais, ou encore, je veux se rencontrer d'une bille. C'est correct, là, tu sais. Oui. Sauf que le 09, il peut endurer ça, mais le 16, là, non. C'est ça. Okay. Sur le poste 16, pour l'appel auprès des autorités, par exemple, okay, il y a trois mots-clés à faire. Là. Il y a m'aider, m'aider, m'aider. Okay. Là, c'est un moment où il y a de danger de mort à bord du bateau. OK. Mais ensuite, il y a le deuxième, c'est panne, 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 t'es en panne, t'as besoin d'aide. OK. Et sécurité, 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 s'il y a quelque chose qui est un problème là, que tu veux signaler. C'est bon. Maintenant, ça, le radio VHF, il donne des cours, là. La société de sauvetage donne ça, je pense. Des cours de VHF, c'est une journée. Puis il donne tous des codes de comment faire, comment utiliser un radio. Puis il donne un examen, ça prend une carte. On va commencer par le plus simple, sécurité, sécurité. Tu te promènes en bateau, tu vois un tronc d'arbre dans le milieu de la place. Okay. Tu prends ton poste 16, tu trouves avec ça en même temps les gardes côtières. Il y a une baie à telle latitude, telle longitude, si tu veux, là, ou bien encore dans telle baie, c'est dangereux pour les bateaux. C'est bon. Panne, 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 bien, mon moteur est en panne, j'ai besoin d'aide. Y a-t-il moyen de localiser quelqu'un qui peut venir me chercher? Et le sécurité, m'aider, 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 c'est le plus important. Alors, le m'aider, 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 là, c'est danger de mort. Là, à ce moment-là, il y a personne qui a le droit d'embarquer sur le 16, sauf le Coast Guard et le bateau en danger. Si le Coast Guard n'entend pas et que moi, j'entends, je prends le relais du gars qui est dans le trouble puis j'appelle le Coast Guard, je lui demande s'il m'entend. Et je fais le relais entre les deux. Personne d'autre a le temps d'embarquer. Ou un autre dit, par exemple, moi, là, je suis capable de faire... Est-ce que tu parles de ça? RCR. RCR. OK, ouais. Oui. Et je suis à 10 minutes et je m'en vais là, okay, directement. Toi, t'as le droit d'y aller. Et moi, là, tant que le Coast Guard ne peut pas rejoindre le type, là, moi, je fais le relais constamment avec tout ce beau monde-là, puis personne d'autre sur le poste. Si le Coast Guard t'attrape, il va dire, bien, passe au 22 ou quelque chose. Il y a des codes régionaux là, qui sont organisés. Très important, ça. Puis là, il faut absolument pas personne sur la radio. Il y a des gens qui prennent la radio puis se mettent à parler dedans. Avant de parler dedans, là, tu écoutes ce qui se passe. Parce qu'il y a l'autre formation aussi de plaisanciers, là, les petits bateaux, la sécurité nautique. Oui, ça, ils ont instauré ça il y a peut-être 7-8 ans. En 2009, elle s'est tombée obligatoire. Obligatoire depuis 2 ans. Bon, c'est sûr que c'est un premier effort là, qui a été fait, mais c'est nettement insuffisant. Ouais. Là, parce que tu passes ça sur Internet, non, tu peux copier. Oui, mais quand on le fait en bonne et due forme, là, qu'on s'inscrit, par exemple, à l'Institut maritime du Québec, puis c'est plusieurs heures de cours, on apprend énormément. Puis on apprend des choses au niveau de la navigation, les bouées, les phares, la sécurité, etc. Les priorités entre bateau à moteur, bateau à voile, c'est toutes des choses là, qui peuvent s'apprendre très bien si c'est une chaise. C'est parfait, ça. Ouais. C'est pas vécu, par contre. Mais d'abord, elle est obligatoire. Ouais. Andrailly, voile avant sur l'enrouleur. La voile avant sur l'enrouleur. Je pense que j'aurais été mieux de mettre... C'est une erreur. On en faudra corriger ça sur la prochaine édition. C'est l'enfilé. Enfilé, OK. Parce qu'endrailler, ça veut dire que tu as des mousquetons, là, comme pour le phoque tempête, là, ou le phoque de route qu'on met sur un été. Alors, ça aurait été enfilé. C'est que quand arrive le printemps, tu veux enfiler ton génois parce qu'il est toujours en position pour la saison.
Et puis, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui l'enfile dans l'engouchure ici avec la ralingue qui rentre dedans. Là. Et puis, t'as l'autre qui est au winch, qui grimpe ça, puis il place en haut, puis il étaque tout bien ça comme il faut. Hier, on s'est ancré dans une profondeur de combien de pieds à peu près? La place qu'on a mis là, vous devez être à 10 pieds. À 10 pieds. 10 et 11 pieds. C'est ça. Ouais. Parce que l'eau était vraiment, vraiment claire, là. Oui, très clair. Quand je suis plongée, moi, je me suis amusée avec mon masque là, d'aller vérifier l'encre. Oui. Hein? Marin jusqu'au fond de l'eau. C'est bien ça. Là, l'encre était. La chaîne était vraiment très, très raide, qui nous donnait l'impression d'être bien ancrée. Oui. Parce que elle était comme accrochée à un roc en bas. Mm-hmm. Mais après ça, tout le reste de la chaîne continuait. Là, ça virait à 90 degrés. Ouais. Puis là, c'était comme toute lousse, toute mou. Puis tu avais l'encre qui était versée sur le côté, mais pas accrochée pantoute. Là, elle était juste, elle reposait sur le sol. Ouais. Puis le petit crochet qui était là, il tenait pas là, avec moindrement une gîte ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, quand à 2 heures ça a commencé, le vent a changé, puis là, on a commencé à bouger un petit peu. Là, c'était écrit dans le cahier de veiller. Fait que je me suis levée, j'ai mis les verres de contact. Ah, ça, c'est bon, et ça. Là, j'ai veillé. Le capitaine, il dort. C'est bien, ça. Fait que je suis allée voir mes amers. Ça va ce matin, pas trop fatigué? Pas tout, fait que ça avec les enfants. Fait que j'ai regardé les amers. C'était une petite vague toute douce, là, ça ne dérangeait pas du tout. 11... 10, il y a encore de l'eau en masse. 9, continue. On va juste tout sonder notre fond. Là, pour savoir là, que si le vent vient d'abord 7, là, tu vas viser là-bas. Okay. L'important, c'est de savoir là, si tu vas se. On n'est pas à 7.8. Ouais. On va mouiller là. Puis si le vent tourne dans le rayon, ben, on aurait l'espace, puis il n'y a pas de danger. C'est bon. Parce que pendant la nuit, on va pas être obligé de changer de place. D'abord, première chose importante, il n'y avait pas d'herbe où on était. Pas du tout. On était dans les gros cailloux. Puis c'était juste de la moule zébrée et du roc. C'est pour ça qu'on prend qu'on fait un livre d'abord, puis on met le mouillage et bon, à cette place-là, tu regardes dans le livre, ah, tu dis ça va comme fou. Là, tu le sais d'avance. Là. Mais l'ancre, lui, là, même s'il n'est pas accroché, la chaîne, elle s'accroche. Pff, la moitié du temps, c'est la chaîne qui tient le bateau. Là. Mais c'est sûr que si le vent avait forcé, bien, l'ancre, il serait trouvé un trou et il serait rentré dedans. Il serait rentré dedans. Sauf que, en plus, on avait fait notre tour de minou. Oui. Là, on avait fait le petit minou avant de se coucher. Fait tout. Oui, notre profondeur, on savait qu'elle était bonne. On avait des espaces, on pouvait savoir que si le vent virait, même si le bateau se déplaçait de une vingtaine de pieds en arrière, là, on avait de l'eau parce qu'on est allé vérifier la veille. C'est bien mieux de vérifier la veille que pendant la nuit s'il y a de l'eau, parce que boum, boum, dans la nuit. Mais de toute manière, ça aurait fait boum, boum. On s'est levé, on a parti le matin, puis on s'est parti. Mais à 5 heures, là, la vague avait augmenté. Oui. Et là, j'entendais le racler dans le fond de l'eau. C'est là que, de 2 heures à 5 heures, j'avais pas peur. Non. J'étais pas inquiète. Mais à 5 heures, quand les fantômes ont brassé les chaînes. Là, je sentais racler, là, plus en bas. Comme si ça chassait. Alors, on appelle ça chasser. Chasser. Une erreur qu'on a faite hier soir. Une erreur qu'on a faite hier soir, puis j'ai pas vérifié mes affaires, parce que moi, c'est ma job de vérifier. Le fantôme. C'est que vous n'avez pas mis l'anti-fantôme. La chaîne. Vous. moi, je suis en dehors. Non, oui, c'est que la chaîne, qui est du métal, ça s'en va sur le caillou, elle monte sur le bateau, puis il y a du bois. Ça fait que le son rebondit ou se réverbère et porteur sur tout chacun des chaînons. Ça fait crunch, 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 crunch pendant la nuit. Et c'est pour ça que ça fait crunch. On l'avait mis dans le câble pour faire un amortisseur. Comme ça, c'est le câble qui tient le bateau à la dernière minute. On ne l'aurait pas entendu, on l'aurait entendu, mais beaucoup moins. Mm-hmm. Beaucoup moins. Alors ça, c'est une première erreur. C'est sûr qu'à l'ancre, il y a toujours un certain risque. Mais habituellement, on teste notre ancre, puis il tient.
Puis on a fait notre tour de minou. Puis notre tour de minou, généralement, il nous donne une couple de minutes de répit. Là. Puis il faut dire aussi que quand on s'est installé ici, on avait l'intention de déménager. Ce qu'on n'a pas fait. Ben c'est ça, parce qu'on savait que le vent virait, mais on a dit, virera pas. Faut dire quoi, on a festoyé un petit peu. C'est notre dernière soirée. Oui, avec les amis. Absolument. Alors, le tour de minou, là, c'est, le tour de minou, c'est important. Oui. Êtes-vous pas mouillé? Comme tes pieds. Pour bien faire, là, bien mouiller son ancre, tu sais, pour être rassuré à 100%. Donc là, ça veut dire qu'on dépose l'ancre, on a une dizaine de pieds, on dépose l'ancre parce que l'autre ancre touche au fond. Après ça, il ne faut pas la faire travailler tout de suite. Il faut, j'imagine, la faire déposer. Donc, on peut rajouter un autre 10 pieds. Selon ta profondeur. C'est ça, mais c'est des fois, tu me disais, OK, on va tester, voir si ça brise. On en rajoute un petit peu, puis là, on place notre chaîne en reculant doucement. Exactement. Puis là, un coup que notre chaîne est basse, là, c'est là que lorsqu'on tire, on tire vers le bas et non, on tire vers le haut. C'est ça. Une fois que tu as déposé l'ancre, tu places ta chaîne en reculant tout doucement. Elle va se placer en dessous. Quand il y a un certain nombre, peut-être si tu as 10 pieds d'eau, si tu es rendu à 25-30 pieds, là, ce que tu fais, tu peux tout de suite l'accrocher à ton gain d'eau et puis de mettre ton pied dessus, puis on recule, puis on peut voir si elle est comme prise. Alors, comme ça t'évite de. Ça prend pas, ça t'évite de. Puis là, après ça, tu as dû de la remonter. Après ça, là, ce que tu fais, c'est que tu recules, puis tu mets. T'en mets pas trop de chaîne, là. Il y a des gens ici, là, dans la baie, là, il y a 15 pieds d'eau, ils mettent 200 pieds de câble. Tu sais, ils balayent la baie quand les choses tournent. Puis pour bien les identifier, souvent, ils ont des petites bouées de témoins, là, où est l'ancre, là. Tu dis, oui, tabarouette, là, il se passe à quatre bateaux entre ça, cette petite bouée, puis lui, là. Puis là, ils sont tous insultés là, quand tu essaies de t'approcher. Là, la paix est faite pour tout le monde, là, ça. Alors, un peu de respect. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, là, c'est que d'abord, chaque bateau doit avoir un minimum de la grandeur de son bateau en chaîne. Pas en bois de chaîne, mais. Oui, c'est ça. Avec une chaîne. Et puis là, il y a une cosse, puis une manille, puis il est accroché un câbleau qui suit. Il va avoir la longueur. Un bateau de 35 pieds, il faut être 35 pieds de chaîne. Mais tu peux en avoir plus. Il y a des gens qui ont juste des chaînes, comme nous autres, on a juste une chaîne. Là. On ne met jamais plus que 75 pieds, 75 pieds de chaîne. Et puis, parce qu'on mouille toujours en bas de 15 pieds. Là. Ça fait que. Et un bateau ne se comporte pas de la même façon s'il y a une chaîne. Puis s'il vente très peu, le bateau, il va rester collé sur sa chaîne, puis il ne bougera pas. Puis tandis que le câble, l'autre, il va se promener partout. Alors, on ne prend pas tout à fait le même espace. Mais faut que tu calcules cet espace-là, toi, sur ta chaîne, même si tu ne l'occupes pas, parce que si le vent prend, tu vas l'occuper, l'espace. Ce qu'on appelle la touée, là, l'espace requis, là, le rayon, hein, l'angle, puis c'est le rayon qu'on occupe avec la chaîne, le bateau. Ça, c'est ton rayon, puis tu tournes 360 heures. Tu te promènes pour vérifier le fond. Tu te promènes pour vérifier et pas cogner les bateaux. C'est important, puis tu testes ton ancre, mais tu testes pas ça en fou, là. Boum, puis le bateau, boum. J'exagère à peine. À peine. Ah, s'il vous plaît, parlez-vous avec des gestes. Ça, là, le moteur fait du bruit. La chaîne fait du bruit. Puis là, ça chicane. Souvent, c'est monsieur qui est en avant, madame est à la roue. Avance, là, puis... Quoi? Bien, ça ne revient pas à paquet. Tu cries après moi! Non, tu cries pas après toi, je veux que tu comprennes. Tu sais, mais ça tourne en chicane, là. Mouiller l'ancre, arriver à quai, baisser les voiles, là. Ça, c'est dur, ça. Ouais. Ça, c'est dur parce qu'il y a de la fatigue. Hein, t'arrives d'une virée, là, costaude, là, comme celle qu'on risque de vivre aujourd'hui, là, OK? Parce qu'il m'a annoncé la bonne, là. Alors, puis là, t'es fatigué, là. Puis là, tu donnes des ordres, là. Puis là, t'es comme épuisé, là. Là, il faut être prudent, parce qu'il faut prendre soin de soi, là. C'est pas là pour chicaner, là. On est là pour s'amuser. Attention, les stations à l'écoute. Attention, les stations à l'écoute. Pour le réseau amical des données ponctuelles des vents, passez au 06 dans 2 minutes. Alors, attention, toute station sur le 06, ici le Roi Soleil, position Spoon Bay,
On remarque qu'à l'extérieur, à l'abri pour le moment, on n'est pas encore en manœuvre. On reviendra un peu plus tard, à la prochaine heure, pour donner les conditions une fois en navigation. Mais je regarde au large et il y a des moutons. Le vent est suffisamment fort pour penser à envisager de réduire la voilure. Arnold nous annonce des vents jusqu'à 25 nœuds. Maintenant, ça reste à voir. Et puis, alors, je reste à l'écoute. Est-ce qu'il y en a qui sont en manœuvre actuellement qui peuvent me donner les conditions de vent? Bonjour, Louis. C'est Yannick. C'est juste pour vous aider d'être très vigilant parce que moi, j'avais mon ski tantôt et on vient de l'ouvrir. La vague était grossie au nord de Colchester et le bateau devenait très, très difficile à la barre. C'est une vague qui m'a amené à l'Olofé. On a réussi à ramener le bateau vent arrière, mais là, à ce moment-là, le ski était déventé et le coup de vent, ça l'a pris, ça l'a donné quand le ski était déventé, il l'a repris dans le vent, ça l'a ouvert le ski. Donc, il faut être vigilant avec la vague et le vent. 5.5, 6 nœuds comme il faut, là, vent arrière. Et je m'approche de entre Stave et Providence et je voudrais tourner vent de travers pour m'en aller vers Malibu, mais je crois que ça va très, très bien vent arrière, même que je l'offre vers le vent de travers, je crois que je vais être surtoilée. Donc, il faut vraiment se méfier quand on prend des allures de vent plus debout, près, travers, par rapport au vent arrière, parce que le vent apparemment va être beaucoup plus fort et j'ai l'impression que je vais être obligée de réduire ma voilure avant de le faire. L'angle mort, es-tu correct? Oui. Avant un peu. Qu'on ne survoile pas, comme par exemple aujourd'hui, s'il vente trop, on va s'en aller vers arrière probablement. Là. On ne met que le génois. On perd un nœud, c'est tout. Ça évite l'empannage. Il y a tellement de. Il y a tellement de petits secrets. Ça prend une vie pour les apprendre. Donc, ce que tu veux dire, Louis, c'est qu'il faut toujours rester ouvert. Il faut être ouvert aux commentaires. Il faut être ouvert de dire je connais pas tout. Peu importe mon âge, là. Je respecte mes compétences, mais j'en ai encore beaucoup à acquérir. Là. C'est important. OK, ça va bien, t'as. Alors, ton point de route, c'est là-bas. On l'a fait! On chope le grand voile! C'est en plein comme ça qu'on laisse aller l'écoute, Danick. Hein? Ton écoute dans la main gauche, perpendiculaire au winch, ta main droite, la paume appuyée sur le cordage, sur le winch, et puis tu laisses glisser. Ça peut pas se mêler. OK, super. Faudrait qu'on freine. Ouf. Fais-tu bien, hein? Faudrait qu'on freine. Ouais. Il arrive quelquefois que le vent change durant une virée. Alors, à ce moment-là, par exemple, si le vent forcit beaucoup, on peut choisir de décider de uniquement naviguer sur son génois. Alors, on va placer le bateau au près, bien à côté sur son génois. On va affaler la grand voile. Et puis là, l'équipage va se précipiter sur la voile pour pouvoir la ferler. Et on pourra ainsi reprendre l'allure que nous avions à l'origine, être beaucoup plus à l'aise et filer à peu près à la même vitesse. On va aller se faire bercer à l'été. On a assez bercé ce matin. Donc, mes techniques d'accostage. Donc, j'imagine l'avant arrive au quai. Donc, on doit préparer déjà nos défenses, ouais. Protéger notre bateau, installer nos amarres avant-arrière, prêts à être lancés sur le quai, donc en position, tu sais, bien positionné. Lorsqu'on arrive au quai, on a de l'aide, on n'a pas d'aide.
on prévoit de ne pas avoir d'aide, tu sais, être prêt. Une personne à l'avant, une personne à l'arrière, le barreur à sa position, ça pêche tranquillement au quai. Et les équipiers pensent que c'est très important de ne pas sauter sur le quai, donc vraiment de déposer son pied et avec notre corde de bien attachée au niveau du taquet. Pour ouais, vraiment retenir à la fin là, le mouvement du bateau. Oui, bon, alors, la mare, il faut être bien, bien sûr, quand on rentre, là, surtout celle d'en arrière, qu'elle soit frappée au bateau pour pas qu'elle s'en aille à l'eau. Oui. Parce que si ça rentre dans l'hélice, c'est un gros problème, oui, surtout en arrivant au quai. Là. Parce que les équipiers doivent vraiment là, écouter les consignes, hein, parce que le barreur, il contrôle son bateau. C'est ça. Jusqu'à temps que le reculons, un coup qui est contrôlé son bateau, donc là, on peut attaquer. Mais aussi, s'il y a quelqu'un au quai, il faut que tu fasses attention. Là, parce que le gars, il peut avoir le corps de qu'est-ce que je fais avec ça? Il bon. Faut que tu sois sûr de tes jambes. Okay. Parce que c'est pas évident. C'est quand il y a des locataires de bateaux ici, là, ils font scraper leur bateau hein, quand les gens rentrent à quai. C'est pas évident. Puis les gardes montantes, gardes descendantes, ça va servir vraiment là, à empêcher le bateau de bouger. D'avancer ou de reculer. Exactement. Oui, c'est ça. C'est bon. C'est bien, les gars. C'est bien. C'est là que tu prends ton large. Comme ça, tu vas partir avec. Tu vas partir avec. Comme ça, j'ai un levier ici, là. OK? Mais les traversières, c'est la même chose que les gardes montants? Non, les traversières, c'est les bouts en avant puis en arrière pour empêcher le bateau de sortir puis de rentrer. OK, c'est bon. Alors, c'est important quand on arrive à quai de ne pas oublier, il ne faut pas éteindre son moteur. OK. Seulement quand c'est bien amarré puis qu'on est sûr de notre coup, là, on peut éteindre notre moteur. C'est bien. Alors, une fois que hein, vous avez tout passé, toutes les 225 affaires à connaître, ça fait comme deux fois que vous venez, vous autres. Et puis là, on a notre attestation ici. L'avantage de cette attestation-là, c'est que ça fait un élément extraordinaire pour votre CV marin. Parce que chacun des points est signé par le maître capitaine et authentifié comme quoi vous connaissez la manœuvre qui est là. Alors, tu arrives quelque part, tu donnes ça à ton assurance, tu as tous tes points cotés, il sait exactement ce qu'il y en est. Tu veux louer un bateau, ils savent exactement ce qu'il y en est. Puis le plus aussi, c'est que vous pouvez vérifier, peut-être, tu sais, des fois, on n'a pas le temps de tout faire, là, ça a pris deux sessions, vous autres. Il n'y a pas le temps de tout faire, mais vous pouvez continuer votre... Vous savez où vous en êtes dans votre formation. Puis vous avez à l'intérieur des renvois qui vous permettent de voir la théorie qui est là. Alors, c'est un CV marin qu'il faut se bâtir. Excellent. Question? Non, c'est complet, merci beaucoup. Alors, vous partez heureux? Oui. Absolument satisfait. Belle expérience. On va vous retrouver sur le lac. Absolument. Malgré vents et tempêtes. Oui. Et tornades. Et tornades. J'espère que non. L'avenir nous le dira. Oui. Mais ça a été belle fun de vous avoir là-bas. Salut. Bien, merci beaucoup. Moi, toi aussi, je te donne un beau bec. Merci, Louis.